Ça va? Eh bien, je pense qu'on est prêts à commencer. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette, à cette conférence. Ça nous fait bien plaisir de, de vous accueillir ce soir. C'est pour nous une énorme joie d'avoir avec nous Maristela Svampa de la Universidad Nacional de La Plata, Argentine, chercheur. Et puis euh, qui va partager avec nous certaines réflexions euh, d'analyse sur euh, cette, euh, ces changements paradigmatiques qui ont lieu en ce moment en Amérique latine, sans doute avec euh, ces pendant aussi ailleurs dans le monde, et euh, ces réflexions sur cette tendance lourde que nous vivons de déploiement accéléré de l'extractivisme. Et sans doute aussi euh, de la réaction que cela suscite chez les populations, particulièrement celles qui sont directement affectées. Donc, euh, mais je n'irai pas plus loin pour bien sûr le laisser surtout la parole à Maristella. Peut-être signaler quand même que ça me produit une forte émotion de l'accueillir ici. J'ai eu l'occasion de, de partager un autre. Une autre avec elle récemment au Chili et ça a été un, un immense plaisir de l'entendre et de l'entendre avec toute cette force aussi d'une femme qui se bat, une femme qui réfléchit, qui pense, qui défend en fait les droits à, à, à la réflexion, à la réflexion critique et, et, et bien évidemment aussi à, à se positionner à contre-courant dans ce qui apparaît comme une contre-culture par rapport à la tendance dominante d'aujourd'hui. Alors, ça m'a fait vraiment un grand plaisir de, de l'accueillir là. Maristelle, alors, comme je dis, elle est, est chercheure, elle est sociologue de, de formation, et, elle est chercheurs principale au Conseil national de recherche de l'Argentine, et elle est aussi professeure titulaire à l'Université nationale de La Plata et directrice du programme Modèle de développement. Et Marie-Estelle, avec, avec son discours éloquent et sa fluidité, et, elle est très sollicitée en tant que conférencière à, à travers les Amériques, principalement euh, dans les universités et ailleurs, et, où elle est considérée comme une des plus importantes références euh, sur la thématique du développement, euh, du, de l'extractivisme, du néo-extractivisme. Et euh, des mouvements, mouvements sociaux de résistance éco-territoriale. Elle s'intéresse aussi à la pensée critique et aux droits humains, principalement euh, dans les cas de, de l'Argentine. Elle est très prolifique, elle est auteure de nombreuses publications. D'ailleurs, j'ai eu un magnifique cadeau tout récemment. Euh, ça vient de sortir du four, celui-là en particulier. Un sur les fracking, c'est-à-dire le gaz de schiste, 20 mythes et réalités du, du gaz de schiste, en fait, euh, au cœur d'une équipe de travail, et l'autre sur les mal-développements et les cas de l'Argentine, euh, le cas en fait de l'Argentine comme cas de, 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 de déploiement de l'extractivisme et des dépouillements des richesses naturelles. Alors elle est auteure de nombreuses publications, des livres, des essais, des articles de rapports et aussi des, des romans parce que Maristelle est écrivaine également. Alors elle a écrit notamment sur, enfin des romans qui portent sur la question des droits humains en Argentine dans la période de la dictature militaire et postérieurement. Et elle est aussi une, une, en fait une, une, une auteure d'articles journalistiques très prolifiques, très très prolifiques, et écrits dans divers journaux. Alors, parmi ses publications, je pourrais évoquer les livres dont je viens de parler Mal-développement, l'Argentine de l'extractivisme, du dépouillement, de la dépossession, où elle a participé comme co-auteur. Aussi, le livre « 15 mythes et réalités de la minerie transnationale en Argentine », publié en 2011. « Débattre la Bolivie, perspective d'un projet de décolonisation euh, », écrit aussi en collaboration avec une équipe de chercheurs. « Certitude, incertitude et des mesures d'une de, 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 pensée politique euh, ».« 20 mythes et réalités euh, », celui euh, du, du, du gaz de schiste. Euh, « Changement d'époque, mouvements sociaux et pouvoirs politiques ». La société qui exclut ou excluante l'Argentine sous les signes du néolibéralisme, etc. Entre la route et les quartiers, l'expérience des organisations piqueteras, enfin. Euh, de nombreuses publications, je vous invite à, à, à lire sa page personnelle qui permet de, de découvrir cette cartographie de tout son, son œuvre. Et Maristela Svampa, vous pourrez la trouver très facilement. Elle a aussi été récipiendaire de plusieurs prix et bourses, dont le prix argentin au mérite, connexe à deux reprises, en 2014 et en 2006. Et aussi, elle a reçu le prix et la bourse Guggenheim. Alors voilà, je dirais que maintenant, c'est à elle qu'on va laisser la parole. Et voilà, donc je, je l'invite à venir ici, ou je ne sais pas si tu préfères parler là-bas, Alistella. Et je vous souhaite une très très bonne conférence. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous, à toutes. Merci Isabelle de ta présentation, c'est si généreuse. Bon, merci d'être ici. Merci de l'invitation. C'est la troisième fois que je suis à Montréal. La dernière fois, j'étais en 2011, c'était dans les cadres justement de la, de la chaire Nicole Tourmel. Donc, c'est la deuxième fois que je viens dans ces cadres. Et après demain, j'ai. Au Demain, je vais à Ottawa. Donc, je suis ravie de, de pouvoir partager avec vous ces analyses, ces impressions sur ce qui se passe, surtout dans les Amériques, à propos de la nouvelle époque que nous traversons. Donc, ma conférence porte sur les consensus des commodities et les conflits socio-environnementaux en Amérique latine. Euh, c'est une conférence qui a trois axes, quand même. D'abord, je voudrais présenter quelques concepts critiques qui donnent les cadres plus conceptuel de mon analyse. Et ensuite, je voudrais présenter, quand même, quelles sont les narratives hégémoniques autour du développement. Parce que je crois que, justement, à cette époque, on débat beaucoup sur ce qui on comprend en tant que développement. Et ensuite, je vais finir par donner les, les, les processus qu'on a vécu en Amérique latine dans les dernières, disons, 10-12 années. Et ces dynamiques récursive, politiques, et sociale, et des tensions entre les mouvements et les gouvernements, surtout dites progressistes. J'appelle ça justement le consensus des, des commodities. Mais d'abord il faut dire qu'en euh, Amérique latine depuis l'année 2000 quand même, on traverse un moment, on peut dire paradoxal. On sens que dans les, à l'époque, l'année 2000, on assistait à la remise en question du consensus de, de Washington, c'est-à-dire on a vu émerger et surtout en accompagnant les mouvements sociaux. Des gouvernements et critiques du néolibéralisme. Et on assistait surtout dans quelques pays comme l'Équateur et la Bolivie à l'expansion des droits, des droits collectifs, territoriaux, surtout inscrits après sur les constitutions. Mais au même moment qu'on assistait à l'expansion des frontières des droits, on a assistait aussi à l'expansion des frontières, des frontières du capital, surtout à partir de 2003 avec le boom. Des prix des commodities, on assiste à une expansion accélérée du capital et à travers des différents projets extractifs partout en Amérique. Donc c'est cette contradiction que j'essaie d'analyser et à travers une perspective plutôt historique et politique. Mais je vais commencer quand même pour les concepts. J'ai trois concepts pour analyser, trois concepts critiques pour analyser ces, ces processus. Ces trois concepts sont consensus des commodities, néostractivisme et mal développement. Le premier, c'est celui des consensus des commodities, fait justement allusion au, au moment qui traverse l'Amérique après l'année 2003, moment lié au boom des prix des, des commodities. Et donc, j'essaie justement de lire cette euh, transition du consensus de Washington vers le consensus de commodities pour signaler pas seulement les différences, mais aussi quand même, quand même les associations qu'on peut faire. Je sais qu'il n'est pas du tout sympathique de parler du consensus de commodities, mais je vais signaler justement qu'il y a une dynamique qui est axée sur euh, la croissance, mais une croissance basée sur l'exportation massive des matières premières. C'est-à-dire des commodities qui ont un prix sur le marché et qui sont des, 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 des matières premières indifférenciées. Ce n'est pas la première fois que l'Amérique latine, justement, la, la histoire de l'Amérique latine est liée à l'exportation de la nature, mais quand même, dans les dernières 15 années, ou 20 années, on a assisté à une intensification, à une augmentation des projets extractifs. Donc c'est justement cette, cette inflexion que j'essaie de lire en termes de consensus des commodities parce qu'elle a donné quand même l'idée à l'Amérique latine, à tous les gouvernements, soit des gouvernements progressistes, soit des gouvernements conservatifs ou, 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 ou néolibéraux, de parler des avantages comparatifs et de laisser même de côté le les vieux discours industrialistes. Et de se fier justement à cette dynamique extractive en essayant de nier, de voiler, de cacher les conflits et les nouvelles asymétries qui sont nées, disons, à l'ombre de cette nouvelle division du travail qui donne toujours à l'Amérique le rôle d'exportateur de la nature. Donc, j'essaie de, 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 de parler. Quand je dis consensus des commodities, justement d'un nouvel ordre économique, idéologique, de signaler par là une nouvelle dépendance et surtout la tendance à une réprimarisation de l'économie avec le développement d'enclaves extractives qu'on observe partout en Amérique latine. Évidemment, il y a un espace de géométrie variable quand on analyse. La différence entre les gouvernements progressistes et les gouvernements conservatifs ou néolibéraux. On va voir ça, on ne met pas tout dans le même sac. Mais quand même, on essaye de dévoiler les, les connexions. Je parle de consensus justement parce que, si vous vous rappelez, dans les années 90, quand on parlait du consensus de Washington, on disait qu'on n'avait pas d'alternative, que le néolibéralisme, c'était le seul chemin. Et donc, il y avait une dynamique irrésistible qu'on ne pouvait pas stopper. Et donc, quand on parle d'extractivisme, de en effet, on trouve le même discours. C'est la seule voie possible, il n'y a pas d'alternative. Et ceux qui s'opposent, ce sont des gens irrationnels qui ne euh, voient pas les opportunités économiques qui ont euh, les Amériques pour sortir de euh, la pauvreté et le sous-développement. Donc, lié à cette idéologie de la résignation du pays sous un capitalisme raisonnable, il y a toute une politique de stigmatisation des luttes socio-territorielles et environnementales. La deuxième catégorie qui a eu un succès énorme en tout, en Amérique latine, c'est celui de l'extractivisme ou néo-extractivisme, qui est aussi une catégorie native, au sens que les mêmes les mouvements sociaux on pris cette catégorie parce que quand même, elle a un pouvoir mobilisateur et, et, et même démonisant, on peut dire, négatif et très forte. Mais et je crois qu'on essaye aussi de, justement de théoriser, de donner corps à ces concepts qui fait justement allusion à la surexploitation exploitation des ressources non renouvelables et, 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 et qui fait aussi allusionne à l'expansion des frontières d'exploitation vers des territoires et avant considérés en tant qu'improductifs. Donc c'est ce double euh, disons, axe sur l'exploitation et l'expansion de la frontière qui est, est, est dans le cœur de l'extractivisme. À cela, il faut ajouter euh, la grande échelle. On ne parlait pas de euh, micro euh, ou de micro des méga pardon des projets petits mais surtout des méga projets et, et donc quand on parle des méga projets on doit voir aussi qu'il y a une occupation intensive du territoire et que l'utilisation de l'eau et de l'énergie est encore plus grande donc les impacts sur la population et sur les territoires sont aussi très grands. donc la question de la grande échelle et aussi la question de l'exportation. C'est l'exploitation qui est orientée à l'exportation. Donc, l'exportation des pays plus développés. Il y a aussi une tendance à la monoculture, à la monoproduction. Ce qu'on voit, par exemple, dans le cas du pays où je viens, c'est l'Argentine, il y a une tendance, par exemple, à la monoproduction du soya. Et de 33 millions dhectares est consacré to à l'agriculture et 20 millions sont consacrés à la soya donc vous voyez ça les 20% de, du territoire de, du Pérou est consacré et concessionné à l'exploitation minière. Donc, vraiment, il y a un pari fort sur la, sur la question de la monoproduction ou les monocultures. Évidemment, il y a aussi une fragmentation du territoire à travers ces méga-projets. Et ce qu'on essaye aussi de, de mettre l'accent, c'est que euh, dans les dernières années, il y a une dynamique accélérée de ces méga-projets. Et donc, la contrepartie de cette dynamique accélérée, c'est aussi le dépouillement, la dépossession des terres, des territoires et évidemment des droits. Donc j'essaie de lier aussi la question du développement à la question de la démocratie, ce qui n'est pas évident quand on voit les discours officiels. Et il y a deux dynamiques quand même que j'essaie de, 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 de mettre en valeur quand on parle d'extractivisme ou néo-extractivisme. Et c'est la dynamique de l'enclave qui justement, c'est la dynamique toujours liée à, à l'exploitation des minières et aussi à l'exploitation pétrolière, qui, est une, qui crée surtout des espaces socioproductifs dépendants et qui ne crée pas, on ne génère pas de, une dynamique de développement endogène. Non Tandis que la dynamique des déplacements qui est plutôt liée, par exemple, au modèle d'agrobusiness, mais aussi au méga-barrage, est centré sur les déplacements des populations. On dit par exemple que l'agrobusiness, c'est l'agriculture sans agriculteur. Donc cette dynamique-là, vous la trouvez aussi entrelacée, mêlée, articulée. Mais quand même, c'est pour dire que, comme pas mal des auteurs analysent, l'extractivisme englobe pas mal d'activités, mais avec ces caractéristiques-là. Hein, les grandes échelles, l'exportation et, et cette dynamique territoriale, et on dit, Myrthe Antonelli, ma collègue, dit que ce sont des machines d'occupation du territoire hein, et qui ont et la, la, pres, presque tout le temps une vision et sacrificielle du territoire. La seule chose qui est valorisée par les capitales est prise en compte et on peut bider les territoires justement pour les mettre au service et de l'expansion du capital. Il y a un troisième concept que je prends, et justement, quand on voit les résultats de ce, que on, ce qui passe maintenant en Amérique latine, c'est le concept de mal-développement, que c'est un concept qui a une longue histoire, qui a été créé justement dans les années 60, à 70, et j'ai trouvé que la première personne qui a, au même quand même, j'ai trouvé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, et que les le premières qui a parlé de mal développement, c'était Celso Furtado, c'était l'économiste brésilien et l'un des théoriques de la CEPAL, mais qui a pris de la distance de la CEPAL envers la CEPAL à la fin des années et, vers la moitié des années 60. Mais après, ce concept-là a été pris par pas mal des auteurs, Samir Amin, Banerjee. Il y a beaucoup même écrit en français pour euh, René Dumond, qui essaye justement de lire. Ce décalage entre développement, équité et, et, et mal-vivre. Pardon, équité et développement durable. Ce décalage qui essaie de montrer justement que, en fait, en Amérique latine, on trouve l'expansion des forces productives, mais pas mal de problèmes, de conflits sociaux, de conflits environnementaux. Qui donc quand même plutôt, comme résultat, à mal vivre des gens. Et donc, je prends ces concepts-là parce que ça donne quand même un diagnostic non, de ce qui se passe, et pour dire que les résultats, c'est à voir justement avec les, les développements insoutenables. Mais c'est une question de développement insoutenable liée pas seulement à la question environnementale, mais aussi à la question sociale, économique et aussi politique et culturelle. Et ça, il faut le signaler. Et évidemment, si on parle de mal-développement, c'est parce qu'il y a pas mal de conflits et en Amérique latine liés à l'expansion de ces projets extractifs. Euh, deuxième axe. Et. Il n'y a pas que la critique à l'extractivisme, évidemment. Il y a un discours, ou des différents discours, discours qu'on peut dire hégémoniques, des narratives sur le développement, qu'on peut associer avec la vision néolibérale et qu'on peut, qu peut associer aussi à la vision néostructuraliste ou néo-développementiste. Et ce qu'il faut dire, c'est quand même que l'idée du développement, qui est une idée forte dans la modernité et en Amérique latine, a eu quand même un rôle très, très grand, elle est disparue dans les années 80, je me rappelle, dans les années 80, 90, elle est disparue en tant qu'idée, qui n'était pas seulement liée à la question qu elle était remise en question par, par exemple, la pensée post-structuraliste, la pensée écologique, les discours indigènes. Mais aussi par des questions plutôt économiques. Et maintenant, après le boom des prix des commodities, on voit en Amérique latine un retour de cette idée, force, en tant que grand récit, en tant que cadre général pour expliquer les mouvements ou la dynamique économique. Donc, on, veut, on voit les concepts du développement revenir au centre de la scène et sans prendre toutes les critiques qu'on a faites pendant des décennies. Donc ça, c'est une chose quand même étonnante. Non et pour, par exemple, la, la vision néolibérale voit justement, il y a très peu d'ajournement, on peut dire, très peu d'actualisation, mais quand même, on voit justement que la nature est prise comme un commodity, euh, mais c'est un discours qui est axé sur le développement durable dans le sens faible. Vous savez très bien que le discours sur le développement durable a été en dispute, mais qu'il a été approprié par les agents et par les grandes corporations et les gouvernements. Et donc, il y a une triade c'est le développement durable, la gouvernance et aussi la responsabilité sociale corporative, qui est très importante, surtout sur les territoires, et auquel s'ajoutent, dans les dernières années, les discours sur l'économie verte. Non, qui est maintenant au centre aussi de scènes et qui est une inflexion de plus dans la dynamique de marchandisation de la nature. Mais ce qui est beaucoup plus troublant, c'est le discours, on peut dire, progressiste, qu'on voit partout en Amérique latine. Et que, et il y a des auteurs qui l'appellent néo structuralistes des autres néo-développementistes. Le mot néo-développementiste est revenu en 2010... Et par l'auteur, euh, il a été remis, euh, euh, disons, dans l'agenda par un hôtel brésilien, Bresser Pereira, je me rappelle, qui a signalé justement que l'Amérique latine avait l'intérêt de euh, euh, développer les exportations basées sur les matières premières pour bien s'insérer dans la globalisation. Donc ça, c'était le raisonnement. Et donc, il y a la CEPAL aussi qui a fait les paris sur cela en signalant qu'on peut justement articulée avec la globalisation, les processus de globalisation économique et financière, et tout en se basant la croissance économique et sur l'exportation de matières premières. Okay Donc, c'est cette, cette question qui fait la convergence entre la rhétorique antinéolibérale et globalisation économique et financière, qui on trouve à la base du discours néostructuraliste. Euh, il y a aussi dans les centres... De, on, on, on écoute bien vous, écoutez, vous entendez bien OK. Il y a aussi dans ce discours-là, et, et par par, en général, une opposition. On veut mettre en opposition la question sociale et la question environnementale. Ça, c'est quand même le cœur du discours progressiste qui, justement, signale les besoins de contrôler, et justement, les ressources. Et par l'État, la, rente, la rente extractive, pour quand même faire la redistribution sociale. Il faut dire par là que ça, c'est, on peut dire, relative. Et il faut voir à chaque pays. Donc, c'est aussi un espace de géométrie variable. On peut dire que, par exemple, la Bolivie, peut-être aussi l'Équateur, on, ils ont passé sa politique sociale. Et sur la rente extractive. Mais, par exemple, un pays comme l'Argentine, pas du tout. Ce n'est pas la, la, la rente du soya ou de l'exploitation minière qui paye les programmes sociaux, c'est les, les, les impôts sur la consommation et sur les salariés. Non Donc, il faut vraiment la relativiser, mais aussi prendre en compte une autre chose que, parfois, moi, ça m'étonne qu'on ne les prenne pas en compte. Qu'est-ce que... D'abord, la politique de entre guillemets, de la redistribution sociale des gouvernements progressistes n'est pas axée sur l'impôt sur la richesse, mais sur cette question, c'est-à-dire sur la rente extractive, parce que c'est beaucoup plus facile et prend justement exploiter les ressources naturelles, limitant les dégâts, que toucher et justement la population riche pour avoir plus d'argent et faire une redistribution. Et ensuite, il y a aussi une autre question qui est tout à fait troublante. C'est que si vous regardez quand même la question des plans sociaux, des programmes sociaux, c'est pas seulement les gouvernements progressistes qui donnent des programmes sociaux. C'est partout en Amérique latine. C'est le Chili, c'est aussi le Mexique. Le Mexique c'est l'exemple le plus emblématique des grands programmes sociaux. Donc en réalité c'est quelque chose qui est dans l'agenda de l'époque du néolibéralisme. Et c'est vrai qu'il y a tout un langage universel des de, de, de droits. Et lié au gouvernement et progressiste, mais quand même, il faut mettre le point qu'en ce moment, en Amérique latine, les 19% de la population est touchée par les programmes sociaux. 19%, c'est énorme, c'est énorme. C'est la CEPAL qui le dit, pas moi. Hein. Et donc, c'est plus ou moins 120 ou 130 millions de, 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 de personnes. Donc, c'est quand même énorme. Et c'est une chose qu'on doit penser parce que, quand même, ils sont très dépendants, et pas seulement de l'État, mais surtout des gouvernements, des politiques gouvernementales. Donc, il y a toute une population et qui est et justement l'épaule les, les marginal, qui est dépendant de plus en plus des plans ou des programmes sociaux. Donc, et, enfin, il faut dire aussi que les gouvernements progressistes. Ont une vision très faible du développement durable. Et en cela, ils ont une connexion très claire avec la vision plutôt néolibérale. Ils ont un discours, mais ils n'ont pas du tout des politiques qui, gardent, qui, qui veulent protéger justement les territoires et la nature. Et une chose aussi qui est très forte en Amérique latine, et je l'ai dit la dernière fois quand j'étais là en 2011, c'est que une chose qui c'est que la gauche dite nationale populaire et la gauche marxiste ou antisystémique n'est pas tellement liée à un discours écologique. Ils ont toujours pensé que le discours écologique est lié aux pays développés. Et donc il y a là en fait un faux discours qui veut quand même convaincre aux populations, que le plus important, c'est de devenir un gardien de la nature que de résoudre le problème de la pauvreté. Donc il y a là une distorsion, justement, des luttes qui va être très importante à l'heure d'expliquer certains conflits. Sous les critiques de l'extractivisme, je ne vais pas m'étendre là-bas parce que je l'ai fait la dernière fois quand j'étais là, en 2011. J'ai parlé beaucoup sur les mouvements de résistance, je veux dire justement, juste qu'il y a pas mal de résistance, de mouvements contre l'extractivisme, pas seulement lié à, à, à l'exploitation des minières, mais aussi à l'expansion de la frontière pétrolière, maintenant avec le fracking, et les méga barrages, l'exploitation forestière, etc. Et que quand même, dans les dernières années, on a détecté que et en Amérique latine, ces mouvements qui sont tout à fait hétérogènes, complexes, parce qu'il n'y a pas seulement des mouvements indigènes, et il y a aussi des mouvements polyclassistes avec les euh, protagonismes des femmes et même des étudiantes et d'universitaires qui essayent de développer un savoir contre-experte, hein, un savoir critique. Donc ce sont des mouvements vraiment euh, vulnérables, mais très complexes avec l'articulation des différents acteurs et qui ont construit un cadre collectif d'intelligibilité de, de des de conflits. C'est ce que j'appelle les, 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 les Tounan éco-territoriales. Parce qu'il y a quand même toute une matrice liée à, à l'histoire du peuple indigène, mais aussi il y a tous les discours écologiques, des protections sur la nature. Cette articulation a donné naissance à des, à des concepts comme buen vivir, suma Camagna ou suma causa. Euh, il y a aussi, attendez, je l'ai pas mis ici, mais excusez, non c'est. Atende, atende um instante, porque... Eh, como se faz para fazer marcha na esquerda? Presidente, é lá. Não, não, não. no, no, no. La flecha. La flecha teclado, uma que vai eh? eh, Não, mas... Não, mas... Oh, oh, maintenant, ça va. <laughs> ok. Donc, euh, excusez-moi. Hein. Et je voulais dire aussi qu'il n'y a et pas seulement les mouvements contre l'extractivisme, mais aussi des, des, il y a des différents courants et des perspectives épistémologiques en Amérique latine qui sont axés sur ces concepts euh, et sur les droits de la nature, justice environnementale, bien commun, et bon vivre, éthique des soins. Il y a les courants d'écologie politique, des géographies politiques, le nouveau constitutionnalisme, l'écoféminisme, même la perspective décoloniale. Disons, il y a pas mal, quand même, de savoirs qui sont en train d'articuler une vision plus ou moins commune, même s'ils ne sont pas en contact, parfois. Non Et, attendez que je, suis, je deviens tout à fait maladroite avec ça. OK, donc... OK. Et la troisième partie, c'est la plus longue, donc j'espère ne, ne, ne pas avoir épuisé trop de temps. Et c'est sur les phases au moment du, du progressisme extractiviste, ou plutôt de les phases au moment du consensus du commodities. Okay. J'essaie de lire justement la dynamique dans trois phases différentes. J'ai dit qu'entre 2000 et 2003, justement, on assistait en Amérique latine à ces changements d'époque, à partir duquel. On a remis en question le consensus de Washington et surtout, c'est le moment des protagonisme des mouvements sociaux antinéolibéraux. Et après, ça a donné l'émergence des différences et gouvernements progressistes en quelques pays. En 2003, justement, c'est le moment de boom des prix des commodities. Et je crois qu'entre 2003 et 2010, en Amérique latine, les gouvernements ont essayé de ne pas voir les problèmes, de nier quand même, de ne pas reconnaître qu'il y avait pas mal de conflits socio-environnementaux auxquels on devait faire face. En plus, on avait un discours honteux, on peut dire, à propos de l'extractivisme, surtout dans des pays comme euh, l'Équateur et la Bolivie, c'était les, 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 les pays euh, les plus honteux à, à prendre un discours plutôt lié à l'extractivisme, parce qu'il se disait justement, le gouvernement de Haut-Morales, défenseur de la nature, défenseur de la Pachamama. Mais même dans un pays comme l'Argentine où la question de l'extractivisme est loin des horizons de rhétoriques, le progressisme a essayé de cacher la question, de cacher les problèmes. Hein, de ne pas voir les, les, la question en, eh, disons, en développement en, 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 en train de, même s'ils si étaient en train de renforcer eh, la dynamique extractive. Je crois qu'à partir de 2010, il y a eu là une inflexion. Une inflexion forte où et quand même, les gouvernements on a, ils ont dû faire face à des conflits emblématiques dans quelques pays, à partir duquel il y a eu une sorte de blanchissement non, du, du, du discours, et qui quand même a fait les paris sur la question de l'extractivisme et qui, de manière ouverte, a essayé de nier et de stigmatiser. Justement, la protestation ou les mouvements de résistance contre l'extractivisme. Et le point d'inflexion a été en Bolivie. Ça a été en Bolivie en 2010, quand, quand même, la, les contre sommet à Cochabamba a donné justement et, un problème à, au gouvernement de Evo Morales, qui était le défenseur au sens large des droits de la nature, tandis que dans, dans son pays, il a essayé d'interdire. C'était une table ronde, la, la table 18, qui parlait justement du problème d'extractivisme dans son pays. C'est à ce moment-là qu'il y a eu quand même les tournants. Et après, il y a eu. Oh là là! Il y a eu les conflits, que j'appelle les conflits emblématiques dans quelques pays. Par exemple, en Bolivie, 2011-2012, ça a été les conflits pour la route de Timnis. Vous savez, les Timnis, c'est les territoires indigènes. Du, du parc isibolo Secure, que c'est à la fois un territoire reconnu autonome et à la fois c'est justement un parc national. Donc euh, Evo Morales a décidé de, de, de faire une route qui traversait ce territoire et en 2011, il y a eu une marche des 600 indigènes de cette région euh, amazonique qui a été appuyée, soutenue par pas mal de. de, de pas mal de la, de, de la population et donc euh, finalement il y a eu de la répression il y a eu des épisodes euh, sous très, très confus et, et finalement et le gouvernement de bon Morales ça fait en plus a fait une, une consultation qui a été tout à fait manipulée mais finalement il a arrêté hein, il a arrêté et de et son discours il et, et a stoppé et la question en disant qu'on eh, devait voir, eh, on devait consulter justement eh, l'avis des populations donc ça a été une défaite pour le gouvernement de Evo Morales mais ça a été aussi le moment de crispation générale où justement ce type de conflit on le voit très bien confronte, fait une confrontation très forte entre eh, la population des mouvements sociaux des gens de la gauche et la gauche dite progressiste qui est au gouvernement en Équateur, ça a été aussi très fort. Ça a été par rapport au pétrole et à l'exploitation minière. Les deux cas emblématiques, ce sont les cas du parc Jassouni et les cas d'Intal. Les cas du, du parc Jassouni, je ne sais pas si vous connaissez, la proposition de, de Raphaël Correa, et surtout sa venue de la société, en 2007, ça a été de ne pas exploiter une partie du parc Jassouni, que c'est un, un des parcs les plus biodiverses de la terre. Et donc, il a demandé en contrepartie, et il demandait justement une indemnité aux pays plus développés. En 2013, euh, Rafael Correa a donné fin à la moratoire et a, ça a commencé. Il a annoncé le début de l'exploitation pétrolière au Parc Yassouni. En même temps, cette année, en 2013, et justement, il a militarisé la région d'Intag. Intag, Intag c'est un lieu emblématique. C'est justement l'un des endroits où la population a chassé trois grandes corporations minières. Non Et depuis 1997, donc c'était vraiment emblématique pour la lutte à propos de la lutte de la, de la résistance contre l'exploitation pétrolière. Au Pérou, ça a été le projet Conga que vraiment ça donnait entre 25 et 30 morts. et le projet Conga menace trois lagunes justement et pas mal de populations 10 000 personnes et des populations paysannes. Il y a eu partout il n'y avait pas seulement des licences sociales, il n'y avait pas non plus de licences environnementales pour soutenir le projet Conga, que c'est un méga projet et minier. Mais quand même le gouvernement, il insiste à cela et donc, il y a eu pas mal de morts par rapport à ça. Au Brésil, ça a été Belomonte. Belomonte, ça a été une chose que moi, je ne pouvais pas parler avec des collègues brésiliens. Parce que tout de suite, ils il m'arrêtaient et ils disaient ça, c'est une question, c'est une invention des ONG. Il n'y a pas de résistance de la population indienne. On touche très peu la population indienne. En fait, c'est une invention des ONG. Donc, ces discours, ces dérives. Conspiratoire, on peut dire, c'est une chose que je trouve souvent. Non Et vous savez, c'est le même cas Congo. Belomonte n'a pas seulement de la licence sociale, il n'avait pas non plus la licence environnementale. En 2009, ça a été des spécialistes, des techniciens brésiliens qui ont fait des rapports qui disaient qu'il y avait pas mal d'irrégularités, qu'on ne pouvait pas continuer. Et même la Cour interaméricaine des droits de l'homme, a fait des signalements, des remarques très importantes. Et Il y a eu en Argentine des conflits par rapport au, au méga projet minier, surtout celui que on essaye de, de, de mettre en valeur, c'est celui de Famatina, c'est une petite ville à la Rioja. Et en 2012, il y a eu ce qu'on appelle un soulevement hein, », et la, la grande minerie que c'est une chose cachée par le gouvernement de Kirchner a été au centre de l'essence quelques mois après ça, évidemment ça a disparu nou, nouvellement et avec les, les, la, la question du fracking ça a été encore pire parce qu'on n'a pas du tout pu discuter la question de l'exploitation pétrolière non conventionnelle et même en Argentine L'année dernière, en 2014, a été sanctionnée une, loi, une nouvelle loi pour l'exploitation des non conventionnels où on ne dit absolument rien sur la consultation des peuples autochtones. Tandis que la région la plus importante où on fait l'exploitation non conventionnelle, il y a les Mapuches, il y a les Indiens, il y a plus ou moins 25 communautés indiennes qui n'ont pas du tout été consultées. Donc, vous voyez. Vraiment, ça donne un panorama tout à fait conflictif euh, qui euh, montre une instrumentalisation de ces nouveaux concepts qui ont été créés, comme les bons bibis euh, ou même le respect des droits de, de la nature. Et il y a aussi il y a une forte manipulation des de droits de consultation. Pas seulement les droits de consultation du peuple indigène, mais aussi tous les dispositifs qu'il y a dans les constitutions latino-américaines. Qu'on peut justement ça peut aider à la démocratisation des décisions, ils ont en général interdit au nier dans son validité. Excusez-moi, mon français n'est pas très bien aujourd'hui. On va voir. Je viens d'arriver. Regardez ce qui donne la conflictivité minière par rapport au projet minier en Amérique latine entre 2010 et 2015. Ça, c'est donné par l'Observatoire des conflits miniers en Amérique latine, l'OCMAL, qui, qui, est, qui est, est siégé justement en Santiago de Chili. Regardez, les, 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 vraiment, les, les, les chiffres sont quand même étonnants parce que, quand même, l'exploitation la, la, la minière à grande échelle, c'est une figure, on peut dire, extrême de l'extractivisme. Pour l'utilisation du territoire, de l'eau, de l'énergie et pour la criminalisation aussi des populations. Donc, regardez, ça, c'est une carte qui est donnée par la CEPAL. La CEPAL, en réalité, ça a été tertialisé, les, les, les travail, et ça a été fait par des ONG de, de, de Pérou et de, de, de la Bolivie. Regardez les conflits. Les conflits, ils sont situés justement dans la cordillère et ce sont. Les conflits, surtout sur l'exploitation minière et le pétrole, touchent beaucoup aux populations indigènes. Hein Ce sont les plus vulnérables. Regardez ça aussi, c'est intéressant de voir, même si je crois qu'il y a et, comment un rétrocesso, un, un recul des de, de luttes contre l'extractivisme dans les dernières années. Il y a eu entre 2002, 2002 et 2012, il y a eu 68 consultations. Ça, c'est l'équipe de Joao Martinez-Alier, le grand économiste catalan, qui justement travaille sur cela. Et 7 000, 700 000 personnes ont voté, la plupart contre des projets miniers, et ont refusé l'installation des projets miniers, même si. Ces consultations n'ont pas été validées par les gouvernements. Là où il y a justement où il y a eu des consultations, l'exploitation minière n'entre pas, même si elle n'est pas reconnue. Donc entre 2002 et 2012, cinq pays ont fait certaines consultations. Donc quand j'essaie de mettre le point sur la question de la démocratie, et je vais justement souligner que. Et il y a une, une association entre extractivisme et violation des droits de l'homme. D'abord, parce qu'il y a une forte territorialisation du conflit qui eh, élargit les, les, les asymétries, les inégalités entre les locales et les globales. Et surtout parce qu'on parle de populations vulnérables, des petites et moyennes localités, aux villes qui sont touchées par l'extractivisme. Ce n'est pas les grandes villes. Et il n'y a pas beaucoup de connexions même avec les mouvements de résistance contre l'extractivisme et les mouvements syndicaux, ce qui pose un problème. Et il y a une forte manipulation des dispositifs institutionnels disponibles et une forte criminalisation de la répression. J'ai signalé justement les, 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 les nombre de morts au Pérou, mais il faut dire que, par exemple, en Équateur, pendant le gouvernement de Rafael Correa, il y a eu eh, déjà eh, 219 personnes criminalisées eh, sous l'accusation de sabotage et terrorisme. Et la plupart ne sont pas seulement des étudiants, mais aussi des, eh, des, des, des gens qui font la résistance, eh, surtout liées contre l'exploitation minière. Okay. Et une chose qu'on discute beaucoup, et surtout, eh, j'essaie de suivre ça, et. Eh, au Pérou, en Bolivie et en Équateur, c'est la question de la consultation et la Convention 169 qui protège le peuple indigène. Parce que quand même, il y a toute une histoire que, c est, c est, c est, dans l'agenda global, on peut dire, pas seulement dans l'agenda local latino-américain. Donc, la reconnaissance des droits du peuple indigène, c'est une question aussi globale. Et donc, et toutes les constitutions de, 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 de l'Amérique latine ont pris. La Convention 169 et aussi la Déclaration universelle de 2007 qui élargit un peu la question en donnant les droits de l'autodétermination la aux peuples autochtones. Et donc, ce qu'on voit, c'est pas mal de conflits parce que les gouvernements essayent justement de sanctionner une loi de consultation aux peuples indigènes pour limiter, on peut dire, pour limiter les dégâts. Hein C'est-à-dire pour contrôler. Quand même les consultations, et surtout de nier ce qu'on appelle la version plus forte de la Convention 169, que c'est la, la, la version plus forte, c'est qui reconnaît, c'est qui exige pas seulement la consultation préalable, mais aussi les concepts de hein Donc, ils essayent de séparer, ils essayent de nier les droits de veto et de limiter quand même les consultations. Donc, on a une forte tendance à la manipulation. De la part des gouvernements, en Équateur, en Bolivie et au Pérou. En Argentine, ne parlons pas parce que les indigènes, les indiens ne sont pas pris en compte. Je dis justement que la loi des de, de hydrocarbures de non conventionnels ne, ne, ne s'est pas prise. Donc, eh, les gouvernements ils essayent de mettre une limite, non, et quand même, à cette euh, expansion des droits. Non et, attendez que. Voulais... Oui. Et il y a un cas, quand même, je voulais dire, et il, il y a un précédent très fort en 2012. Et la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui appartient à l'Organisation d'État américain, donc elle a une forte présence en Amérique latine, et elle a pris parti dans une. Confrontation entre l'État d'Équateur et Sarayaku, les indigènes qui qui sont à Sarayaku, et justement ça a été une sentence tout à fait emblématique parce qu'ils ont dit justement que quand un projet extractif touche euh, le style de vie et intervient sur le territoire des indiens, on doit faire pas seulement la consultation, ils doivent obtenir les consentements des droits. Et des populations indiennes. Donc, ça a été vraiment eh, le moment de grande tension, 2012. Ça a été tellement de grande tension que les pays latino-américains, pas mal de gouvernements, ont essayé, ont menacé de rompre avec la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc, ça n'a pas été facile. Euh, je montre seulement de, maintenant de, quelques, quelques images. Et vous savez que l'Argentine, c'est euh, on dit, l'avant-garde d'exploitation de gaz non conventionnel. Et donc ça, c'est les, 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 les cartes de gaz de schiste. Ça, ça, ce sont les affiches contre la construction de, de, de la route au Timnis. Euh, le, et qui, qui cite justement une, une phrase d'Evo Morales. Et ça, c'est les, les Yasuní. Parce que quand même, quand euh, euh, Rafael Correa a justement euh, fini avec la moratoire et a ouvert l'exploitation pétrolière, il y a tout un mouvement social qui s'est créé, c'est le mouvement des yes unidos et ils ont euh, rassemblé des signatures pour avoir les droits à la consultation publique. Mais le problème, c'est que la cour, la courte, justement, la, la, la courte, euh, comme on dit, des de justices s'occupe justement de cela, du tribunal électoral, euh, n'a pas pris en compte cela. Il, euh, il a, dit que les, les signatures n'étaient pas régulières, donc on n'avait pas les suffisamment les quantités ou les nombres de signatures pour avoir les droits à la consultation. Et c'est dans un contexte de répression même que. On y est la possibilité d'une consultation. Donc, ça, c'est l'affiche, justement, des mouvements déjà unis. Ça, c'est aussi les manifestations. J'étais là il y a un an et demi, justement, quand euh, ils ont fini de rassembler les signatures et le tribunal constitutionnel a dit non. Ça, c'est la militarisation du territoire, intact que je disais que, justement, c'est les premières. La première région en Équateur qui a, 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 a dit non à l'exploitation minière. Et donc, eh, eh, le gouvernement est entré eh, avec Codelco, qui, eh, justement, c'est la compagnie chilienne. Hein. Eh, ça, c'est une belle photo de, 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 de la population autour d'une lacune au Pérou eh, contre le projet Conga. Et ça, c'est la, la carte qui montre, justement, sur les, les fleuves Singu, la, eh, où on veut faire justement la, la, les méga-dames, les méga-barrages Belomonte, c'est la troisième plus grande au monde donc ai, eh, je vais finir par là parce que quand même je voulais donner la parole à, à vous si on veut faire un, un bilan de cette longue décennie entre quand même 2003-2015 je dois dire qu'on a assisté quand même à un processus, à une dynamique accélérée D'expansion, mais aussi de rétrécissement, de recul de la frontière des droits. On voit de manière très nette maintenant une incompatibilité très croissante entre les discours écologistes, la narrative indigène aussi sur les bon vivre ou le bon vivre, et les discours développementistes et populistes. On voit que les gouvernements, même ceux qui ont quand même donné pas mal d'expectatives politiques, ils ont fait une dérive à des modèles de domination plus classiques, on peut dire national-populaire, les styles populistes concentrés dans des fortes leaderships. Il y a une forte tendance à la manipulation des, des concepts qui ont été, et, et, disons, à l'origine des mouvements sociaux et dans les années 2003-2005 comme les voies de bon vivre mais aussi les droits de la nature qui a, eu, qui a eu un rôle très important lors des sanctions des nouvelles constitutions et donc on est entré dans une nouvelle période de, de, de droits de de des droits de l'homme des violations des droits de l'homme qui eh, n'a pas seulement de rapport avec les gouvernements conservatifs aux néolibéraux, mais qui aussi mettent en relief le rôle le plus actif des gouvernements dits populaires ou progressistes. Merci. Est-ce que ça fonctionne Oui. Marie-Stella. Merci beaucoup pour. Euh, ta présentation si, si riche qui nous nous permet d'avoir un regard holistique et systémique des réalités qui, est, qui est la, la situe en Amérique dans les Amériques l'Amérique latine mais qui on pourrait très bien de laquelle on pourrait très bien faire un parallèle avec la réalité qui on voit de plus en plus ici aussi et puis maintenant je voudrais présenter le, le, non, 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 nos deux, nos deux personnes qui sont ici à la table. D'abord, Pierre Bocage, professeur retraité de l'Université de Montréal, anthropologue, et qui va présenter, présenter un commentaire de, de, de la conférence. Et Marc-André Asueto, qui est coordonnateur de la chaire Nicole Turmel sur les espaces publics et l'innovation politique, qui va ensuite modérer en fait, les échanges. Alors voilà, Pierre. Voilà, euh, c'est pas une mince tâche que d'essayer de commenter une présentation aussi riche, euh, autant au plan conceptuel qu'au plan des, de l'analyse des faits qui est fait, qui est présentée. Euh, moi, il y a une image générale qui me vient à l'esprit. En vous écoutant, euh, quand, en parcourant la littérature là-dessus, c'est euh, un peu comme ce, il y un film il y a quelques années qui s'appelait le, euh, le Retour au Futur, et maintenant on c'est aller de l'avant, enfin ce serait forward to the past aller en avant vers le passé. C'est-à-dire que les, les arguments qu'on entend maintenant, ce sont les arguments du 19e siècle. Les arguments en faveur de cette nouvelle division du travail. Euh, il faut que le, le Sud produise des, euh, des, 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 matières, des matières premières minières. Euh, on l'entend autant à droite qu'à gauche, comme vous dites. Il y a, euh, il y a Linera, Garcia Linera de Bolivie qui a dit Bon, il y a, il y a un extractivisme de gauche, autant qu'il peut y en avoir un de droite. En fait, c'est la même politique qu'il fait que le Pérou à côté, qui est censé être de droite. Donc, il y a cette espèce de consensus en fait, qu'on a essayé d'imposer et qui existe au niveau de groupes dominants à travers les familles politiques pour revenir sur le fameux théorème de Ricardo. Euh, le Portugal a raison de se spécialiser dans le vin et l'Angleterre dans l'industrie. Ils font du très bon vin, et nous faisons de très bon tissu. Alors pourquoi le Portugal devrait-il se mettre à faire des tissus aussi et nous du vin en Angleterre? Donc c'est la même chose qu'on reprend maintenant avec les produits miniers. Euh, la division internationale du travail qui est acceptée sans, sans, aucune, euh, enfin, sans aucune critique, et euh, surtout que euh, enfin, les événements très récents, euh, les derniers mois, la dernière année, montrent que, euh, comme le disaient déjà nos vieux professeurs d'économie il y a 40 ans ou plus, euh, les matières premières, c'est ce qui fluctue le plus. Parce que dès qu'il y a un, un, un signe de ralentissement de l'économie, la première chose qu'on cesse de faire, c'est d'acheter des matières premières. La première chose qu'on fait, c'est cesser d'acheter les matières premières, alors que les produits de consommation vont encore se vendre les produits intermédiaires. Alors on voit donc des, un, un étrange consensus des commodités qui se fait, euh, non critique euh, et qui traverse donc les familles politiques, comme vous l'avez très bien dit, et qui donc se tourne vers cette, euh, vers cette panacée. C'est tourné il y a une dizaine d'années à peu près vers cette panacée. Euh, pour nous faire. Un, enfin, ça nous a donné donc ce cycle de. Euh, euh, on a profité d'un cycle de, de hausse des prix des matières premières pour euh, se lancer dans une, dans une, dans une, une réorientation euh, extrêmement importante de programmes politiques. Les pays qui avaient des projets d'industrialisation les mettent de côté. Euh, ceux qui avaient de longues pratiques d'industrialisation même semblent les, euh, semblent les abandonner euh, pour euh, cette. Euh, enfin, ce, ce, ce champ des sirènes là, de euh, l'exploitation des matières premières. Maintenant, je euh, euh, pense qu'il est assez... On retrouve donc un certain nombre de, de ces concepts on, dont on parlait il y a 50 ans. Par exemple, la question d'enclave. C'est-à-dire que les enclaves, on se souvenait, on, on dénonçait dans le cas des compagnies minières, des compagnies minières le fait que ça crée des enclaves liées à l'extérieur et pas tout à l'ensemble du pays. Or aujourd'hui, alors, alors qu'on avait fait la critique, l'analyse et qu'on avait des propositions alternatives, on revient encore avec les mêmes enclaves. Il faut créer des enclaves minières. Euh, bon, J'arrive du Mexique, là c'est la même chose. Donc on, euh, le progrès exige qu'on fasse des routes pour pouvoir transporter l'équipement qui vient des États-Unis vers les mines et pour sortir le minerai euh, de, du pays. Donc on revient à cette conception que c'est pas du tout, il faut pas chercher l'intégration du développement, il ne faut pas chercher euh, genre, un développement endogène, il faut au contraire euh, développer très rapidement des enclaves extrêmement modernes. Ça va créer de l'emploi, on ne sait pas trop comment, mais enfin, ça, ça, ça devrait bien fonctionner. Une différence, cependant, avec euh, le, la vision classique, je pense à celle des compagnies bananières. Mon premier terrain, c'était au Honduras. Donc les compagnies bananières, on les avait dans la gueule. Donc, c'est que le développement traditionnel, le développement d'enclaves, prévoyait en quelque sorte des enclaves permanentes. On créait les, euh, les, les compagnies bananes, on créait les plantations de bananes pour que ça dure, les plantations de caoutchouc. Euh, on créait des mines, des mines de galeries qui étaient pour durer 20 ans, 30 ans. Alors que maintenant, il y a, vous avez un concept très intéressant que je vais apporter, celui de la vision sacrificielle du territoire. Le territoire qui va être exploité va être détruit ensuite. Il n'y a plus rien à y faire. Euh, il faut aller d'ailleurs dans le Nord canadien, dans le Nord du Québec, pour voir comment en tout cas, des gens sont allés dans la mine où j'ai travaillé il y a 50 ans. Et ils disent, le lac est toujours là, le lac toxique. Euh, les montagnes de scories sont toujours là. Il n'y a rien qui a changé. Donc c'est détruit en permanence pour ça a été à peu près 15 ans d'exploitation. Maintenant je disais des, certaines entreprises travaillent au Mexique qui prévoient 8 ans. Donc dans 8 ans on a tout sorti l'or qui y a là-dedans et puis on, on s'en va. Donc là, cette notion sacrificielle du territoire. Euh, donc, parler justement de mal-développement, c'est presque un euphémisme, c'est de l'anti-développement. Donc, on, va, on détruit des portions de territoire, et ensuite, il n'y a plus rien qui reste, les populations sont parties, et on n'a rien à leur donner. Donc, euh, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, donc, en, en, termes, en termes aussi, ce qui est également intéressant tout ça, c'est donc ce qui arrive au niveau des discours. Euh, D'une part, on a, euh, des, on a cette vampirisation des concepts comme le bon bohémivir. Euh, Qu'on peut, euh, qu peut assimiler avec euh, avoir un plus, haut, un, plus, un plus haut salaire. On va créer des emplois, ces emplois sont bien payés. Bon, dans la région, je suis au Mexique, on dit écoutez, le salaire, je, le salaire paysan, c'est 50 pesos par jour. Nous, dans la mine, ceux qui travaillent présentement peuvent faire jusqu'à 50 dollars. Donc, faites le parallèle, là, vous êtes. À, enfin, c'est ça, le bon vivre. Donc, vous avez, pour une période de temps donnée, un revenu dix fois plus élevé que, ce que, vous, que si vous étiez sur la, sur la ferme. Maintenant, donc on a ce, alors euh, on a une, une perversion, une vampirisation de concepts euh, populaires, mais en même temps à l'opposé on assiste à une euh une appropriation par les gens de concepts qui ont d'abord été mis en place pour les, pour les tromper. Enfin, le développement durable. dont on voit tout à coup les gens, les gens de la région suisse, nous voulons un développement vraiment durable. C'est quoi le développement durable C'est ce que nos grands-parents faisaient, ce que nos parents font, ont fait, ce que nous faisons ici. C'est cultiver, c'est garder la terre en, en culture tout le temps, les terres, ça ne jamais en friche. Alors, c'est ça le développement durable. Donc, les gens s'approprient un certain nombre de concepts qui ont été mis là par des bureaucrates pour tergiversés et finalement disent nous allons nous nous revendiquons ça. Donc il y a donc cette, ce jeu de miroir là qui bien sûr dépend du rapport de force. Si les, les forces gouvernementales, les entreprises sont les plus fortes, ben c'est donc elles qui vont euh, disons, euh, accaparer des concepts et produire leur, leur nouveau discours. Par contre, dans la mesure où le mouvement populaire est assez fort, c'est lui tout à coup qui impose une nouvelle conception du euh, peut imposer une nouvelle définition du, euh, conception du développement durable. Euh, C'est intéressant euh, de voir cette, euh, le rapport qu'on fait entre euh, développement euh, minier ou développement extra extractivisme et programmes sociaux. On l'entend ici tout le temps au Québec, on n'est pas allé très loin. Si vous voulez que nous ayons des garderies à 7 dollars par jour, alors il faut accepter le pipeline. Si on n'accepte pas l'oléoduc, euh, vous n'aurez pas de services sociaux. Alors qu'en effet, dès qu'on va voir les chiffres, euh, les chiffres qui sont produits par ces gouvernements eux-mêmes, euh, on voit comment il n'y a absolument aucun rapport. On voit comment l'économie extractiviste. Si elle rapporte beaucoup à l'État, si elle peut rapporter beaucoup à l'État sous forme de, 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 de rente, euh, sous forme de royauté, si elle peut rapporter beaucoup surtout aux partis politiques et aux politiciens privés, sous forme de prébandes, de pots pré de, de, pot de vin, etc., euh, représente une part très, très faible de l'ensemble du, du, produit, du, du produit brut, de l'ensemble de la production. Donc, alors tout ce, tout ce jeu qu'on fait, où on essaie de mettre en. en Mettre en, en rapport là, les bénéfices sociaux d'une part et l'extractivisme. Encore une fois, il n'y a pas d'alternative. Si vous ne voulez pas qu'on ferme les écoles, les hôpitaux et les garderies, il faut accepter l'extractivisme. Alors que dans les faits, l'analyse, même très rudimentaire qu'on veut faire, montre qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Euh, vous parliez de la question de la, euh, la question de la dépendance. Certaines parties de la population peuvent devenir dépendantes. parler de, par exemple, 19 des gens dans, touchés par les programmes sociaux. Ça peut être plus dans les régions. Mais. Euh, il faut se voir, pour examiner dans quelle mesure donc cette dépendance-là euh, enlève aux gens la légitimité de leur revendication. Ça se peut. On a, on peut avoir des gens qui disent, écoute, moi j'ai besoin de mon chèque du gouvernement, donc j'accepte tout ce qu'il dit. Je vote pour eux parce qu'il y a un d'autres affaires. Par contre, moi, j'ai de façon assez étonnante, je suis dans une région où les gens sont très pauvres, où les gens ont besoin du programme Opportunidades pour boucler le budget, pour acheter le maïs qu'il faut parce que les champs ne produisent plus assez. Et pourtant, les gens se réunissaient, il y a 15 jours, ils étaient, étaient 3 000 réunis dans un village pour une rencontre, à protester contre les barrages hydroélectriques et contre les mines. Et pourtant, j'ai regardé les paysans qui étaient là, j'ai dit sûrement 80 d'entre eux ont absolument besoin du programme Opportunidades. Et pourtant, ils sont là à protester. Enfin, vous ne nous achetez pas avec ça. Autrement dit, le programme, on l'a parce qu'on le mérite, on en a besoin, mais on refuse donc d'accepter ce marchandage des politiciens. Ailleurs, ça peut fonctionner par contre. Écoutez, nous vous avons donné ces, ces programmes publics, il faut donc les. Alors, vous devez euh, accepter ce qu'on propose. Euh, bon, euh, je dois simplement. Terminer à revenir sur les, ce que vous mentionniez à la fin, qui est très important. Euh, je pense qu'on a insisté dans la courte période que nous venons de traverser, si on parle du début des années 80 jusqu'à maintenant, c'est finalement 30 ans, très courte période de mon point de vue. Donc, on a assisté à la fois à cette expansion des droits assez marquée et à ce rétrécissement qu'on veut faire maintenant. Euh, droits environnementaux, droit fondamentaux aussi, euh, néolibéralisme qui demeure toujours à la, à, à, dans l'ordre du jour. Maintenant, cette expansion, ce rétrécissement, je pense peuvent suivre des géométries très variables, donc en fonction de la capacité pour l'ensemble de la population euh, de développer des organisations autonomes qui vont dire ben, « jusque-là, vous ne pouvez pas rétrécir ce droit-là ». Moi, j'étais frappé, je dans une région, je suis dans Mexique, dans Sierra de Puebla, une région qui est pauvre, où vraiment juste le fait d'avoir assez à manger des calories par jour, c'est déjà une préoccupation, et où les gens disent « non, vous n'avez pas le droit de massacrer la montagne, vous n'avez pas le droit dire, de faire un barrage sur la rivière ». Donc, il y a des choses qu'on n'accepte pas, des choses par ailleurs que l'État peut réussir à imposer. Donc, c'est une expansion, un rétrécissement. Je suis sûr que vous ne vouliez pas dire ça, mais qui, qui n'est pas du, un arrière mécanique, mais qui est un, un projet euh, de force antagonique et qui euh, peut aller dans un sens ou dans l'autre. J'ai l'impression que des gens, par exemple, ben, encore une fois, à région où je suis, euh, disent ben, tous ces droits qu'on nous a donnés, là, ben, on veut les garder. Ils sont tout à fait sûrs. On n'accepte pas qu'on les enlève maintenant. Donc, euh, on prend l'expansion, mais on refuse le rétrécissement qu'on veut imposer. Euh, D'autre part, euh, donc la euh, mentionner enfin, dernier point, que je veux faire euh, l'entrée dans un nouveau cycle de violation des droits. Dans la mesure où euh, il a pas, on n'arrive pas à imposer le consensus. Euh, expo il faut exploiter les ressources naturelles, il faut faire l'extractivisme. Euh, dans la mesure où les gens donc ne l'acceptent pas, euh, et ça c'est aussi le cas du, du pays d'où je viens, ben, on ne peut aller que vers une accentuation de la répression. C'est-à-dire deux choses. Ou les gens acceptent de bon gré de s'en aller, de laisser la place aux pays minière, ou les gens n'acceptent pas. Et s'ils acceptent on va faire la répression. Et donc, même des gouvernements qui avaient commencé sous l'angle la, du, en fait, la, du consensus, la collusion, tous les partis, comme le gouvernement mexicain avec Peña Nieto, il y a deux ans, trois ans. Donc maintenant, ben, ce consensus-là ne fonctionne pas. Il y a de plus en plus de forces qui sont à l'extérieur. Donc, il n'y a qu'une chose à faire, c'est la répression. Enfin, on ne le dit pas, mais c'est la tolérance zéro. Tolérance zéro aux manifestations, donc on n'accepte pas de dissidence, ni que des syndicats protestent contre les transformations d'éducation, ni que des gens manifestent dans les rues. Donc, à ce moment-là, je, bon, je, ça m'a sûrement frappé. J'avais sûrement une connaissance beaucoup plus vaste que moi de l'Amérique latine, mais comment, cette, avec cette, disons ce, ce souc à la corde -là entre expansion et rétrécissement des droits, une des issues possibles, donc c'est l'accroissement actuel de la répression, et j'ai l'impression, d'après les exemples mentionnés et ceux que je connais, que c'est euh, ce que je pense avoir, malheureusement. Merci. J'imagine que Marie-Stella, si vous avez quelques commentaires suite aux commentaires de Pierre, avant d'ouvrir, yeah. euh, la, la, laisser la place aux gens du public s'il y a des questions, si vous voulez oui. rebondir un peu sur ce que Pierre a commenté. Oui, merci Pierre de, de vos commentaires. Et, et je voulais quand même faire euh, trois remarques. D'abord, une question sur la, la dépendance, que je n'ai pas dit c'est qu'effectivement, on essaie de penser le cadre de la nouvelle dépendance dans, dans ce contexte d'exportation massive des matières premières. Et ce qu'on voit justement dans les dernières années en Amérique latine, c'est que cette dépendance est de plus en plus liée envers la Chine. Donc c'est là où il y a, disons, un effet de réprimarisation en plus, disons, parce que la Chine exige de plus en plus, de demande des produits premiers, des commodities. Donc ça, c'est une question qui fait quand même à l'inflexion extractiviste en Amérique latine et qui nous mène à penser dans le contexte de la néodépendance. Une autre chose, c'est que eh, quand on parle aussi de. Eh, ou quand j'essaie de parler du changement dans les dernières années, et surtout par rapport aux gouvernements progressistes qui sont moins tolérants ou intolérants à, à, envers la résistance, c'est qu'il faut dire que, j'ai oublié de dire, c'est que et dans les dernières années, surtout dans les contextes réélections, dans pas mal de pays, et ils ont redoublé les paris au sens qu'ils ont multiplié les projets extractifs. Ça, ça a à voir aussi avec la dynamique d'accélération. Par exemple, en Argentine, et en 2010, la, la présidente Christina Kirchner a présenté les programmes agroalimentaires qui euh, proposent l'augmentation à 60% des exportations de graines, donc du soya. Non Donc ça, ça veut dire ça, des déforestation, ça veut dire euh, et déplacement des gens et, et ça veut dire et, tendance à, à la monoculture, à la, à la monoproduction. Et en plus, maintenant, il y a un mouvement très important, de plus en plus, qui est fait la dénonciation des effets sociosanitaires par rapport au glyphosate. Et ensuite, euh, au, en Bolivie, ça a été la, la promesse du sot industriel ça a été justement Alvaro García Linera qui a dit qu'on allait multiplier les projets extractifs par rapport au lithium, par rapport au fer, par rapport au gaz. Justement pour donner une autre qualité de vie aux gens. Donc, c'était la promesse, surtout de sortes industriel, quand en réalité, ce sont des projets extractivistes où il y a une partie des, 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 des protagonismes de l'État national et un surprotagonisme des grandes corporations économiques, même dans le cas de, 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 de la Bolivie. Et, au Brésil, ça a été le cas du PAC. Les programmes d'accélération de la croissance. La littéralité des Brésiliens, ça me choque toujours, non parce qu'ils ont une mentalité très développementiste. Et l'EPAC a été créé il y a quelques années. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas Dilma qui l'a mis en place, mais elle a quand même multiplié les projets, surtout par rapport aux méga barrages qui vont affecter l'Amazonie. Pour le cas de la Venezuela, ça a été l'expansion de la frontière, de l'exploitation du pétrole. Et là-bas, l'Orinoco, où il y a le les, les pétrole bitumineux, c'est-à-dire non conventionnel. Donc, c'est partout. Où vous trouvez qu'il y a la multiplication même dans un contexte de conflit. Donc, il y aura beaucoup plus de conflits. Et à ce niveau-là, il y aura beaucoup plus aussi de répression. Et donc, à cela, il y a eu l'exemple du Timnis en Bolivie. Et il y a eu l'exemple des quand même pas mal de euh, résistance contre l'exploitation minière à Catamarque et au des d'expérience de répression en Argentine. Et il y a eu euh, pas mal de répression en Équateur et surtout, je dis, la stigmatisation et la judicialisation, non C'est-à-dire, vous savez, qu'est-ce que ça donne pour quelqu'un qui est un indigène, qui euh, toute sa vie a euh, lutté, disons, pour préserver son territoire soit être accusé en tant que terroriste. Donc, et sous un gouvernement euh, dit progressiste, hein, ce n'est pas les Pérou, c'est pas les Mexique. Donc l'Équateur. Donc c'est ça là que voit justement des épisodes de plus en plus. Et puis, ce qui aussi on voit eh, pas mal de répression, c'est à la frontière de l'expansion de l'agrobusiness. Et, et ça, on le voit clairement à Paraguay au Brésil et en Argentine. Et ce sont des morts silencieuses dont personne n'en parle. Des indigènes qui sont tués par des gardes paramilitaires ou dans des circonstances douteuses où le gouvernement n'est pas responsable. Mais ce sont des conflits et des morts très liés avec l'expansion des frontières d'exploitation d'agrobusiness. Donc c'est un contexte de plus en plus fort et, de, et disons, de renforcement de, 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 de la répression et de fortes stigmatisations. Je crois que c'était par là que. Je vais me permettre un tout petit commentaire, parce que l'idée, c'était vraiment de, de vous laisser le microphone. Malgré ce, ce sombre portrait, qui est fort, fort inquiétant, sans doute, compte tenu de, de, la, de la puissance extraordinaire qui accompagne cette vague des de, 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 de déploiements en fait de, de, de ce type de développement industriel et, et qui, comme comme l'évoque, ce n'est pas que les mines, les gaz, et les pétroles, mais c'est aussi le, la foresterie industrielle, mais aussi les pêches en fait. Et je dirais que ce qui me paraît important de signaler tout de même, c'est que euh, bien que nous nous assistons à, à un moment extrêmement critique par rapport à à la capacité monstrueuse, je dirais, de l'être humain de, de destruction, de la démonstration de nos, notre énorme capacité, et, et qui va de pair aussi avec celle qui, qui, qui répond à l'esprit guerrière, qui, et qui on, a, on a aussi bien déployé dans notre histoire, et qui aujourd'hui se munit aussi d'un type d'armes beaucoup plus sophistiquées et beaucoup plus dangereuses aussi, à moyen-long et terme. Je dirais tout de même qu'il y a deux choses qui me paraissent importantes à souligner. Et une chose, c'est que nous assistons à un moment où, où la question de notre rapport à l'environnement se situe, je dirais, pour la première fois, de façon si forte dans l'arène publique. Donc, c'est devenu un sujet public, où, en fait, un sujet public duquel, d'une façon ou d'une autre, la population et les décideurs n'ont pas. Par les choix que de s'y pencher. Et, et, et ça, c'est devenu une, 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 une réalité qui s'est imposée, dans le sens, justement, compte tenu de, de, de la prise de conscience, que je dirais, c'est aussi euh, quelque chose à, à remarquer dans cette, dans cette époque, la, la, la croissance la, ou l'augmentation de la prise de conscience de la part de la population de, de ces questions, qui à d'autres moments y était le fait ou la préoccupation d'une élite. Aujourd'hui, les populations, ils s'intéressent ou ils sont directement concernés par des préoccupations qui ont un trait à notre rapport à l'environnement parce qu'ils subissent l'impact, soit direct ou indirect, de ces, de ces, de, de ces énormes mégaloprojets et, et qui euh, mettent en danger la qualité de vie, la santé, non pas juste des écosystèmes et des milieux de vie, mais évidemment aussi des personnes. Et pas pour aujourd'hui seulement, mais rapidement et progressivement prendre conscience aussi de la portée, en fait, au niveau des impacts à moyen et long terme, ce qui est souvent on tente d'occulter ou d'ignorer ou de ne pas considérer. Et puis, bien sûr, il y a la question de l'effet systémique de l'impact, des multiples impacts. Et je dirais ça, cette prise de conscience sur la question environnementale et la question environnementale non plus comme comme le fait ou la préoccupation d'une élite intellectuelle qui soulève les questions de nos rapports au monde, de l'éthique, etc. Mais la question environnementale comme quelque chose de très atterri au quotidien, à la vie même, c'est-à-dire de, de, la question environnementale comprise comme le besoin de respirer, de se nourrir d'une nourriture saine, de vivre dans un milieu en santé. Et, 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 et puis de vivre, donc euh, apprendre, d'apprendre à vivre dans un, un milieu que l'on partage avec d'autres et un milieu qui, est, qui a une certaine fragilité ma, malgré sa capacité de résilience. L'autre dimension que je voudrais soulever, c'est que nous assistons tout de même à une période où, où ces couches de la population qui étaient invisibilisées, qui étaient, dans, dans, qui étaient maintenues pratiquement dans le silence, ignorées, et aujourd'hui ont une voix. Même s'ils me voient souvent par et part, souvent désarticulée, mais tout de même, mais comme marie l'a évoqué aussi, tout de même avec beaucoup d'éléments communs, c'est les, les peuples autochtones ou les peuples originaires qui, tout à coup, ils, étant les premiers affectés dans la plupart de ces. De ces de, de, de ces projets industriels, et tout à coup, ils prennent une voix, et, et puis ils sont sur la place publique à revendiquer d'abord l'existence, nous y sommes, nous existons, et nous revendiquons. Euh, le droit à vivre, à respirer, à boire de l'eau, à manger, puis le droit à être comme nous voulons être. Et nous entendons de plus en plus aussi ce discours, et, et qui ne euh, qui, qui vient pas seulement de, 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 de peuples autochtones, et qui, qui s'articule aussi en tant que réflexion et, 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 et certaines propositions de, de, de questionner le développement comme tel. Donc on, on entend parler non pas seulement de la recherche d'alternatives au développement, de l'alternative de développement l'alternative de, de proposition de développement mais d'alternative au développement on questionne le développement tel que conçu actuellement et là j'ai rejoint l'idée de Boaventura, des sauces de sauce avec cette cette de recherche de, de, de reconnaissance des autres épistémologies, d'autres façons de concevoir le monde, d'autres façons d'envisager de, notre rapport au monde. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important qu'on vit aussi. Donc cette revendication à, à l'autre différent, mais pas juste à l'autre à les tolérer, à dire il existe effectivement, il est là, mais aussi à, à, à cette revendication à, 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 à à la, à la dignité et à la, à la légitimité de pouvoir vivre, choisir de vivre autrement que de la façon comme les systèmes dominants nous imposent, les systèmes occidentaux nous imposent. Donc, c'est quand même des faits qui me paraissent significatifs à mentionner. Et ce n'est pas pour alimenter une, une sorte d'espoir naïf, mais, mais, mais tout de même, je dirais qu'il y a là un germe de quelque chose de nouveau qui est en train de naître, une sorte de nouvelle éthique et, et qui me paraît fondamentale. Alors, euh, je crois qu'il ben y, a, y a le Vivir bien, bien sûr, qui est une source d'inspiration malgré le paradoxe du discours et de la pratique, euh, euh, qui, qui, est à, qui, qui me paraît très importante quand même à élucider, et à tenter de la de la pénétrer pour saisir ces enjeux du pouvoir et les enjeux de, 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 en fait des, des projets sociaux qui, qui tentent de cheminer dans ces systèmes globalisés, mais qui, qui sont prisonniers de ces systèmes ce système globalisés tout de même. Mais je crois qu'il y, y a un germe d'une de, de, de nouvelle éthique. Je dirais comme jamais, comme jamais, nous avons assisté dans les dernières dix ans à des mobilisations de masses extraordinaires à travers le monde. Les, les divers printemps que nous avons vécu sont, sont quand même des manifestations de, notre, de la capacité extraordinaire des personnes de se mobiliser, de prendre conscience, de développer ce que Lucie Sauvé appelle une intelligence collective. Je crois que. Tous ces mouvements sociaux, effectivement, sont en train de développer une intelligence collective. Il y a sans doute des, des énormes défis en termes d'articulation, en termes de structuration, d'organisité qui puissent permettre vraiment de donner forme à un projet alternatif. Mais je crois que nous faisons face quand même à un moment important à ce niveau-là. Voilà, merci. Merci. Évidemment, cette conférence de Maristella Svampa suscite euh, beaucoup de réflexions intéressantes de la part à la fois de Monsieur Pierre Bocage et d'Isabelle Oreyana, Mais évidemment aussi, c'est le moment euh, d'ouvrir, de euh, laisser place à des questions des gens ici dans le public. On a deux micros, donc euh, je suis simplement à vous euh, présenter et poser la question directement euh, à Maristella. Donc on a encore au moins une bonne demi-heure, donc on a assez là, de temps pour pouvoir euh, discuter avec. Euh, Bonsoir conférencière bonsoir et je m'appelle Eduardo Varela je viens de l'Observatoire Vieillissement et Société à l'Institut de Gériatrie pour commencer félicitations à la compatriote et merci beaucoup de l'organisation d'un événement pareil je vais faire un, un peu, un peu, une petite contribution de la psychologie profonde et, je fais recours à l'épistrophie ça veut dire aller vers en arrière pour comprendre le problème d'aujourd'hui et peut-être trouver des solutions. Et, il existe dans la mythologie grecque, mythologie qui est toujours en ébullition et en action, et existe les, les sujets de la Titanomachie, que c'était la, la lutte entre les, les Titans. Qui adoraient des essences de, de couleurs, de lumière, pareilles à les multinationaux et à la folie de, du progrès, grand sujet psychologique, le progrès, mais qui ont été battus par l'Olympe. Par Ça veut dire par, et, et, le défenseur, le propose, proposeur des images humaines. Bon, madame, vous êtes dans, dans, dans cette lutte, vous êtes dans la lutte et actualisée et toujours présente, inévitable des eh, confrontations entre les, les diffumineux et les réels de la vie. Et vous, pouvez, vous êtes en train de proposer ce que les, les Bhoutan, vous connaissez le pays Bhoutan que vers parle de, de ça. Bhoutan, le, le Producto brut National, c'est la joie de, du peuple. Donc, et la lutte est inévitable. Et le, le plus précis qu'on qu qu ait à la connaissance du problème, le plus imaginaire, le plus des images qu'on emploie pour cette lutte. Parce que sinon, c'est la folie émotionnelle. Excusez-moi, euh, pouvez-vous répondre à la question mais, mais, mais attendez, comprenez-vous que si on a la connaissance et à raciner, on a les images à proposer l'inévitabilité du progrès, mais pour découverte. La découverte des principes de, de transformation. Sinon, la, 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 la lutte n'est pas bien proposée. Merci beaucoup. Merci. On prend une autre question et ensuite on pourra laisser euh, Marie répondre. Bonjour, Ricardo Peña Fiel. Je suis chileno, mais j'ai cinq ans en Argentine après le coup d'État. Donc, euh, bon, mon, ma question/commentaire. Euh, Concerne un peu la, la notion d'extractivisme, de, de, mais aussi de criminalisation euh, de l'action collective, et peut-être aussi de, de plus vastes mouvements et de virages à gauche. Donc, euh, trois, quatre thèmes, euh, je les annonce, euh, je vais essayer de les articuler. Euh. Donc, en ayant commencé la, la, la conférence, en fait, en ayant structuré la conférence autour de la notion d'extractivisme, c'est comme si c'était un processus économique qui était le moteur de ces processus socio-politiques. Alors que moi, j'avais abordé la question sous un autre angle parce que je me posais d'autres questions, on est arrivé à peu près au même, euh, au même constat, c'est-à-dire celui de la criminalisation. Mais moi, j'étais parti de processus politiques qui n'avaient rien à voir directement avec un processus économique, c'était les soulèvements populaires. Donc, ils avaient à voir avec des processus économiques, mais c'était... L'implantation du néolibéralisme. Et donc, c'est à partir de, du moment où est-ce qu'on impose des, des mesures euh, d'austérité, de, comme on en a actuellement aujourd'hui, que des gens se soulèvent, mais pas pour des raisons nécessairement d'invasion du territoire, c'est euh, perte de droits. Et, et donc, je pense pas seulement au Caracas, où je pense aussi à, à la Comuna de Oaxaca, donc euh, la peau. Je pense aussi à, en Argentine en 1993. Le Santiago, euh, et même au Corralito et les Estadios euh, qu'il y a pu avoir, ce n'était pas lié à l'extractivisme. Et donc, ce que je voudrais vous demander, c'est d'essayer de, de faire un lien entre ce processus de criminalisation et le processus économique. Qu'est-ce qu'il y aurait en, en, entre les deux Est-ce qu'il n'y aurait pas, justement, par rapport à la démocratie, le développement de formes de de plus en plus autoritaire, c'est-à-dire qu'on sait que le, le gouvernement représentatif, on l'appelle démocratie, mais ce n'est pas une démocratie. Il y a un versant euh, autoritaire, oligarchique et que ce serait le versant oligarchique du gouvernement représentatif qui refuse que la population participe et conteste ses décisions. Et ce serait peut-être là qu'il y aurait le point commun entre les gouvernements du virage à gauche et ceux de droite. Merci. Ouais. Bon, merci pour, pour la question. Euh, je voulais dire d'abord à Eduardo, mon compatriote, et c'est vous son son intervention. Mais il faut dire que quand même, il y a il y a des concepts, ce que j'appelle des concepts horizons, parce qu'ils ouvrent quand même l'agenda sur d'autres sociétés, la manière de penser la société, que je n'ai pas développé justement parce que dans ma dernière conférence, j'ai fait l'axe sur cela, sur les mouvements de résistance et les concepts, et, disons, alternatifs qu'ils sont en train de, de créer. Même s'ils ne sont pas l'alternative à soi-même, ce sont les, les points de départ pour penser des alternatives. Mais aussi il y a d'autres développements. Et je, je, je fais référence aussi au, au, au concept et aux propositions développées par Eduardo Guadinas Duclares, qui il a des, des, des propositions, et même discutées avec les populations sur le post-extractivisme et les transitions. Donc penser les transitions, sorties de l'extractivisme. Qui donne, euh, on ne peut pas les, 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 les développer maintenant, mais qui donne quand même des, des exemples intéressants et tout à fait faisables, tout à fait vélocibles. Mais ce qu'il y a quand même, c'est que dans le contexte actuel, les gouvernements essayent de fermer, de, 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 de clôturer les, les, les scènes politiques en essayant de dire qu'il n'y a pas d'alternative. Tandis que quand même, il y a pas mal d'alternatives qui ne sont pas prises en compte par les gouvernements. Ça, c'est une chose importante. Et ensuite, pour ce que dit Ricardo, et, on peut partir, de, on, peut, on peut prendre des les processus politiques, mais je pense que quand même, eh, d'abord, on n'est pas à l'époque du néolibéralisme. Donc, on est quand même, on, on, je ne sais pas si on peut parler du post-néolibéralisme, mais... L'émergence des gouvernements dits de gauche et centre-gauche au progressiste a changé beaucoup, digamos, a changé quand même les expectatives même des citoyens en Amérique latine. Et donc j'essaie de, de souligner la continuité de ce consensus, mais aussi la rupture entre les années 90 et les années. Et, présente. et moi je pense que les, les, les luttes sociales sont beaucoup plus complexes maintenant que dans les années 90, quand on, quand même, on luttait contre le néolibéralisme. Ce pas, ça, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de lutte contre le néolibéralisme il y en a beaucoup en Amérique latine de cela. Contre la privatisation, des luttes sociales, syndicales, il y a partout. Mais ce qui est devenu de plus en plus central, et qui, quand même, permet de penser une certaine unité, ce sont les luttes socio-territoriales ou socio-environnementales. Il y a eu, quand même, comme dit Enrique Léves, je vais le dire en espagnol, un processus d'ambientalisation des luttes, environnementalisation, je ne sais pas si on peut dire, mais quand même, ce processus a fait qu'il y a quand même une certaine unité entre les luttes. Entre les qui, qui fait l'union entre les, les, la, la terre et les territoires et qui met au centre cette question. Donc, il y a des continuités entre la criminalisation parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, évidemment, mais ce qui est nouveau, c'est justement la grande augmentation des conflits socio-environnementaux. On va passer à une seconde ronde de questions. Est-ce que. À la gauche, oui. À la gauche. <laughs> votre gauche. Merci beaucoup, euh, Madame Svampa, Professeur Svampa. Euh, je suis Marie-Christine Doran, Professeur euh, à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Et euh, permettez-moi de vous dire que mes étudiants euh, du bac au doctorat apprécient énormément vos textes, notamment toute la question de l'imaginaire, le tournant éco-territorial qui vient vraiment rejoindre euh, des fibres euh, chez eux qui, euh, enfin, les motivent à continuer à étudier en sciences politiques. Donc, euh, ma question, je travaille personnellement sur la criminalisation euh, de l'action collective en Amérique latine, spécifiquement au Mexique et au Chili, mais tous les cas que vous avez mentionnés m'intéressent. J'aurais beaucoup aimé vous entendre parler encore un tout petit peu plus de ce nouveau cycle de violation des droits de l'homme euh, auquel on assiste. C'est une question qu'on a débattue dans un congrès la semaine dernière, justement, avec des collègues qui disaient, mais il y a toujours eu de la violence en Amérique latine, il y a toujours eu de la répression. Quelle est vraiment la différence qualitative Moi, je suis assez d'accord avec vous qu'on est dans un nouveau cycle. J'aimerais bien entendre, euh, justement, vos arguments à ce sujet, et notamment à savoir si... Euh, Possiblement, ce serait la force, l'intensification du conflit, donc le fait qu'il y ait une réponse populaire, reprenant aussi les exemples donnés par Pierre et Isabelle, euh, de la part de la population qui fait que l'on assiste à une criminalisation de plus en plus étendue, qu'on ait des défenseurs des droits de l'homme qui soient complètement anéantis, traités de terroristes, des populations autochtones, etc. Donc, en d'autres termes, est-ce que l'imaginaire des droits... Euh, Autour de, du tournant éco-territorial a une force, là je suis très optimiste, mais comparable au niveau contre-hégémonique à ce consensus sur le néo-extractivisme euh, dont vous avez parlé. Est-ce qu'il y a possibilité de voir qu'on est dans une intensification des conflits parce qu'il y a deux grands blocs avec des ressources pas du tout comparables, bien sûr, euh, les gouvernements avec toute la ressource financière et les populations écrasées, mais au niveau des imaginaires, des choses qui s'affrontent? Que moi, c'est trop long, mais merci. Je ne suis un autre. Ça fonctionne Oui. Ah, salut. Euh, je m'appelle José Manuel. Je viens de l'Université d'Ottawa. Euh, J'ai une petite question que est-ce euh, est que vous croyez que, que la, la croissance de cette nouvelle tendance en, en, en mouvements sociaux pourrait se développer en un nouveau modèle de, de gouvernance, euh, gouvernance environnementale à l'Amérique latine que vous avez parlé de, de, de processus de démocratisation euh, aussi de, de gouvernement progressiste à, à la région. Donc, est-ce que vous croyez ça, que ça peut développer euh, un nouveau modèle de gouvernance aussi Bon, euh, pour Marie. Euh D'abord, la criminalisation se développe sur la non-reconnaissance de conflits en tant que légitimes. Donc, ça, c'est une chose aussi qu'il faut dire. Et ça, ça a été tout à fait étonnant dans le cas de la Bolivie, pour les Timnis. Quand on lit, par exemple, le bouquin a écrit Álvaro García Linera, La géopolitique du Timnis, La géopolitique de l'Amazonie, on lit, par exemple, que eh, Garcia a dit que les, les peuples amazoniques ont été, eh, ils n'ont pas des acteurs parce que les acteurs sont, 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 sont celui des terres basses et de, 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 de la haute plaine, et qu'ils ont quand même, ils ont été toujours manipulés par les hacendados, ou bien pour la, les ONG. <laughs> et donc ça donne un environnementalisme néocolonial. Donc, ça, c'est la pire des traditions en sociologie et en sciences sociales en Amérique latine, quand on dénie justement la, 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 la capacité en tant qu'acteur social. Et donc, il y a là, dans certains gouvernements progressistes, de nier cette capacité de, de répondre. Quand Raphaël Correa traite des terroristes, justement, les, les mobilisations, il, il opère de, de, de la même façon. Donc, il y a pas mal d'arguments. Qui eh, maintenant sont, disons, des, des, dans la narrative euh, de délégitimation des, des, euh, euh, des gouvernements progressistes qui ouvrent la porte pour ce processus de stigmatisation et même de répression. Et il faut dire là que ce n'est pas seulement qu'il touche les droits. Et, euh, des peuples indigènes, les droits collectifs et les droits de l'environnement. Parce que, quand même, on, on a un retour en force de euh, dépossession de des droits premiers, les droits de première génération. Parce que, quand même, quand vous niez les droits territoriaux, les droits collectifs, les droits de l'environnement, vous finissez par nier les droits des manifestations, les droits de vous soulever, de pétitionner, je ne sais pas comment on dit, et ce sont des droits civils et politiques de première génération. Donc, c'est ça. Et en plus, comme dit justement, disait Isabelle, les populations demandent à participer à un débat et justement à démocratiser les débats. C'est une chose tout à fait nouvelle dans les dernières 30 ans. On a démocratisé les débats surtout sur des questions qui portent à la question collective, la, la, la situation, de, de, pas seulement sur le présent, mais sur l'avenir des, des générations. Et donc, ça. Aussi, c'est délégitimé au sens qu'on essaye de concentrer les débats dans des questions techniques, en laissant en dehors la population, disant qu'elle ne connaît pas, elle est irrationnelle, et euh, en plus, et donc ils n'ont pas d'objectivité. Donc, on a plusieurs niveaux de l'estimatisation, mais aussi de la, de, de la judicialisation, si on peut dire, judicialisation et, et, et criminalisation de, des actions collectives. Et ce qu'ils ont donné, les, les, les conflits à partir de 2010, les conflits que je dis emblématiques, c'est qu'ils ont donné des visibilités publiques. Même si la visibilité publique a duré deux ou trois mois, quand même, ils ont été au centre de scènes politiques. Quand euh, il y a quelques années euh, en arrière, il, il, on ne prenait pas en compte les conflits environnementaux. Vous voyez Donc, cette visibilité a forcer même la crispation et la confrontation avec les gouvernements qui justement se montrent comme défenseurs des droits de l'homme. Donc ils n'acceptent pas du tout eh, qu'on dise justement qu'on est en train d'entrer de, eh, dans une nouvelle période de, 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 de violation des droits de l'homme. Et pour José Manuel, eh, ah, pardon, et il y a les lois antiterroristes aussi eh, partout dans les pays. Partout, et justement, et dans quelques pays, et on, on applique, et on l'a mise en, en place, dans d'autres pays, pas encore, mais c'est pour cela que je parlais justement que l'exemple le plus emblématique, c'est l'Équateur. Ensuite, pour José Manuel, la nouvelle gouvernance. Et Je ne crois pas dans les termes, dans les concepts de gouvernance, parce que c'est justement un des axes et du nouveau discours hégémonique et qui cherche justement à montrer qu'on peut justement dépasser ou, ou résoudre les conflits si on met tous les acteurs à négocier. Si on met d'abord les corporations et les, les, les gens mobilisés. Et l'État, il est seulement un médiateur, parce que dans une société complexe, l'État n'est pas l'État. L'État qui est revenu même avec les gouvernements progressistes, ce n'est pas l'État des années 60. Hein. C'est un État plus faible dans le contexte de la mondialisation. Donc il a le rôle de, de médiateur, tandis qu'on voit clairement qu'ils ont très intéressé justement de mettre en place les, les projets extractifs. Donc, et, et ils ont part justement du conflit. Et, mais une chose qu'il faut dire, c'est que quand l'idée de gouvernance maîtrise, euh, euh, cette, euh, je vais le dire en français, j'essaie de, de chercher les, les mots en français, ils essayent de montrer et, un conflit et, entre des acteurs avec les mêmes pouvoirs. Quand on sait très bien que c'est un conflit asymétrique. Les conflits socio-environnementaux en Amérique latine, ce pas seulement des conflits d'appropriation et des langages des valorisations différents, ce sont des conflits qui mettent justement à la lumière l'asymétrie des pouvoir. Si vous ne prenez pas compte de cela, donc vous êtes en train de fausser la, la question. Et donc, les conseils de gouvernance forcent justement cette idée d'asymétrie originale qu'il y a dans les conflits. Donc c'est pour cela que je ne crois pas du tout que dans un contexte de nouvelle gouvernance, on puisse résoudre ces conflits. Oui, bonjour, mon nom c'est Rainer. Et je suis étudiant en la maîtrise ici au département des sciences politiques à mais J'ai juste deux petites questions, surtout sur les plans conceptuels, pour me retrouver au sein de cette conférence. D'abord, j'aimerais savoir un petit peu plus sur la distinction entre extractivisme et néo extractivisme à partir desquels on peut parler du, du sien. Et la prochaine question, c'est, vous parlez dans votre présentation des mal-développements. Donc, je présuppose que cette classification s'érige en opposition à une idée du bon développement. Si oui, j'aimerais savoir quelle est cette conception du bon développement. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Daniel Tonussi, je suis docteur en sociologie pour la UCAM. Et ma question, ça va être dans deux volets. La première question, c'est pour revenir à votre hypothèse forte des consensus des commodities. Parce que si on se souvient que les consensus de Washington étaient quand même appuyés par un secteur très important de la classe moyenne. Aujourd'hui, on nous lire peut-être, mais quand même, et, et presque, presque toutes les classes moyennes, et, et ils sont quand même appuyés les processus d'ajustement structurel au Mexique, en, en Argentine, au Brésil, etc. Je voudrais justement vous entendre un peu sur ces appuis électoraux et à ces gouvernement gouvernements qu'aujourd'hui, on retrouve dans... Um, dans cette nouvelle conjecture politique. Et la deuxième question est par rapport aux réponses politiques. Parce qu'on peut dire que et tous les gouvernements progressistes, des Kirchner, Evo Morales, etc., ont été quand même une réponse à, au consensus de Washington, qui finalement était à la base et une réponse à mouvements sociaux qui ont quand même forcé ces... Et ces gouvernements agissent dans ce sens-là. Et pourquoi pensez-vous qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire l'articulation entre mouvements socio environnementaux et les alternatives politiques dans ces pays-là Parce que si aujourd'hui, si on regarde les cadres en Amérique latine, les seuls pays qui, quand même, qui présentent un parti vert avec beaucoup de contradictions, c'est le Brésil. Mais dans les autres pays, les partis... Et écologistes, au plus et, indiens, etc. Ils n'arrivent pas à avoir en et, et, ampleur. Voilà. Ça, c'est vraiment les, les deux questions. Et je vous remercie infiniment. Ok. Bon, euh, écoutez, d'abord, je ne sais pas, c'est quel votre prénom Rainer. Sorry Reiner Ok. Rainer. Okay, Rainer. Et écoutez. Et, on peut dire pas extractivisme et néo-extractivisme il y a Goudinas qui fait la distinction moi je pense oui on peut la faire mais de toute façon et pour moi ce qui est important c'est justement de signaler que c'est pas seulement des activités dites traditionnelles comme l'exploitation minière par exemple qui est considérée extractive en soi-même mais aussi on a des nouvelles activités qu'on peut quand même considérer en tant qu'extractives et donc, le néostractivisme est lié à cela, pas seulement à la grande échelle, mais au nombre d'activités qu'on peut considérer. Même l'agrobusiness, on peut considérer en tant qu'extractive. Il y a pas mal de spécialistes qui signalent justement cela. Donc, c'est parce que, quand même, si on utilise le, le, le mot de, de, de néostractivisme, c'est pour souligner l'intensité et le nombre d'activités qui eh, sont liées justement et dans un moment où on est conscient de, de la crise écologique. Quand on parlait d'extractivisme, toute la tradition extractiviste au XIXe siècle, par exemple, au-delà, au porte aussi les le, le débuts de, de, de l'histoire à l'Amérique latine, ça commence par l'extractivisme en tant que modèle d'accumulation. C'est notre acte de naissance. Et, mais maintenant, et donc, on est vraiment conscient de ce qu'ils ont les risques, et donc on a en plus un nombre majeur d'activités liées à ces types de développement. Par rapport au concept de mal développement, et écoutez, je sais que tout le monde dit ça. c'est une chose on, pas tout le monde, mais c'est une chose qu'on disait justement quand la, la, le, le le mot, le concept est né du mal développement. C'est pas justement pas mal de critiques disent ça. Ce n'est pas qu'on a une image des bons développement, par exemple, incarnée, illustrée par les pays développés. Ce n'est pas cela. En réalité, on prend les mots des mal développement pour souligner les mal-vivres des gens. Non pas pour parler d'un contre-exemple qui serait justement l'incarnation du bon développement. Et il faut le prendre par là. Je sais qu'il a ses points faibles. Et ensuite, je vais lui dire franchement... J'ai mis le titre Mal développement à la dernière minute dans ce livre parce que j'ai considéré que, quand même, je voulais que les gens qui sont de l'autre côté du gouvernement progressiste entendent quelque chose. Si j'ai mets les mots extractivisme, ils vont jeter les livres à la poubelle parce que c'est une catégorie démonisatrice. Mais si je dis mal développement, ils vont dire ah, Attention, qu'est-ce que c'est ça Donc, ils vont. Eh, Faire attention. Donc, j'essaie quand même de, 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 parler, de parler aux gens pour euh, essayer de les faire réfléchir sur cela. Et donc, je trouve que, quand même, le mot développe, mal-développement a cette euh, euh, capacité d'interpeller les gens. C'est une notion forte. Euh, ensuite, euh, et sur la question de Daniel. Et, Écoutez, oui, justement, les, les, les gouvernements dits progressistes, à partir de l'année 2000, ils ont remis en, en cause le consensus de, de, de Washington. Donc, c est, c est, cette articulation entre modèles et critiques au néolibéralisme, et expansion des droits et après expansion du capital, qui est justement les, les, les côtés, et pas seulement faibles, parce que ce n'est pas une question qu'ils peuvent résoudre. L'extractivisme est au, au, au noyau du modèle. Et ça, c'est la question. Et, mais, que, mais de toute façon, la question, c'était eh, pourquoi les, les mouvements sociaux eh, n'ont pas cette capacité de, de faire la liaison avec les mouvements politiques. Il y a pas mal de choses là-bas à dire. C'est-à-dire, euh, d'abord... Eh, il faut dire, ces conflits, ils ont de plus en plus de visibilité, ils ont pris dans une dynamique, aller-retour, ça c'est évident parce qu'il faut comprendre les mouvements sociaux dans une dynamique d'avance et de recul, mais quand même, il y a d'abord une déconnexion très forte entre les mouvements syndicaux et les mouvements socio-environnementaux. Parce que, comme je dis tout en passant, dans ma présentation, les eh, mouvements de résistance sont situés surtout dans petites et moyennes villes, très loin des grandes villes. Et, et donc, il y a très peu de pays où il y a quand même cette connexion. Et les mouvements syndicaux, par exemple, ils ont une vision industrialiste, productiviste, eh, ils voient la croissance, ils voient l'emploi. Ils, ils même si, après, on démontre qu'il n'y a pas création d'emplois, vous savez, on parle au vide. Donc, euh, en 2011, par exemple, nous, en Argentine, on a fait un bouquin sur le mythe de l'exploitation minière, en montrant euh, qu'effectivement, la, la grande minerie ne créait pas d'emplois. Il détruisait d'emplois, en réalité, dans les dernières décennies. Et, mais on avait de l'autre côté la, 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 ce qu'on appelle la corporation des de, de entreprises minières qui disait « on a créé 300 000 emplois ». Et c'était... Pardon Le mirage. Pardon Le mirage. Oui, mais c'était un grand mensonge, une inflation discursive incroyable. C'était du terrorisme statistique. Je vois, je disais, je disais. Non, mais pas seulement eux, c'était les gouvernements. C'était le gouvernement de Kirchner qui disait ça. C'était le secrétaire de, 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 de la question de, de, de la minerie, des mines. C'était le secrétaire de mines mine, kirchneriste qui disait ça. Et donc, ce n'était pas le journal Clarien. Il n'est pas le coupable de tout, en tout cas, en Argentine. Et donc, même si on crée, si on essaye de montrer avec des données non, et quelles sont les limites... Et quels sont les impacts de ces modèles Il y a toute une partie de la population qui n'entend pas. Ça les emmerde d'entendre qu'il y a quand même des problèmes avec les modèles de production, parce qu'ils sont axés surtout avec les modèles de consommation. Et quand vous voyez, ça c'est la deuxième question, les succès des gouvernements progressistes a été l'élargissement du modèle de la consommation, pas, je crois, l'élargissement des droits. Ce n'est pas axé sur les modèles de citoyenneté universelle, c'est axé, les succès, sur les modèles de consommation. Et donc, les programmes sociaux vont dans ces lignes-là, même s'ils sont insuffisants. C'est pour les inclure dans les marchés en tant qu'agents consommateurs, non en tant qu'agents des droits. Donc, c'est la légitimité, la possibilité d'être réunis qui est dans l'axe, dans la problématique centrale du gouvernement. Mais aussi, il faut dire, pour les gens, pour les gens des grandes villes, euh, ils ne voient pas les, 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 les problèmes dans ces, cette perspective. Et donc, ils ont un imaginaire euh, plutôt lié au développement, lié à la croissance. Donc, à ce niveau-là, il est vraiment difficile de faire une contribution à un changement qui doit être surtout un changement culturel. Non c'est-à-dire qu'il y a une bataille culturelle là à gagner ou à faire, surtout dans la grande société, et dans la société des de, de grandes villes, pas seulement dans le secteur populaire, mais, mais dans le secteur des de couches moyennes. C'est pour cela que ça reste surtout un phénomène eh, marginal. Tandis qu'il y a de l'eau, par exemple, les gens vont penser que l'eau, c'est un miracle, qu'on ouvre la robinet et, appara et l'eau apparaît de manière miraculeuse. Et que euh, la préservation de l'eau n'a rien à voir avec, par exemple, l'exploitation de la grande minerie. Expliquer, surtout les médiations, parce que ça, il faut l'expliquer, et non pas aller avec un discours catastrophique. Il faut expliquer toutes les médiations, même si on explique toutes les médiations, il faudrait dire, avec ça, je finis, il y a les grands intérêts des corporations. Donc on lutte avec des intérêts économiques énormes. énormes. Vous savez, ce qui a été la lutte contre les fracking en Argentine. On n'a pas réussi même à mettre un mot. On n'a pas réussi à mettre un mot. Donc on a les corporations et les pétrolières qui sont les plus puissantes du monde, mais aussi on a tous les discours de, euh, du contrôle de l'État sur l'énergie. Et donc, on n'a pas discuté sur la question d'énergie renouvelable, et de changement des matrices énergétiques, etc., etc., etc. Si on voulait faire la discussion sur cela, les gens qui parlaient de cela, ils ne savaient rien, disaient les, les gouvernements, ou bien ils sont des fanatiques. Donc, euh, on n'a pas la place. On n'a pas la place. On a exceptionnellement la place quand il y a ces grands conflits emblématiques qui ouvrent l'agenda pendant deux ou trois mois. Et donc là, vous avez l'attention du public au niveau national et vous pouvez dire quelque chose. Et après, comme c'est un mouvement dynamique, ça, ça se ferme à nouveau. Donc vraiment, je crois que c'est un peu compliqué. Excusez-moi de mon pessimisme. Je crois qu'on a le temps encore pour des dernières questions. Donc, vous pouvez. Bien, je vient un peu d'en parler, là, mais je vais y aller quand même. Je suis fatiguée. Euh, donc euh, voilà, Victoria, euh, moi j'ai eu lundi euh, en zone Mapuche, justement en Cordillère, j'étais expropriée et me voici ici. Euh, donc euh, j'ai étudié à l'UCAM, classe plutôt moyenne, et là je suis à HEC Montréal, euh, à Kamikaze, <laughs> essayer de jaser euh, avec euh, les gens. Et la question que je me demande en fait... Euh, je me demande si. Je pense que décoloniser l'imaginaire, c'est des processus qui sont longs. Euh, décoloniser un territoire aussi. En euh, Amérique latine, je pense qu'on a des, une privatisation trop, 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 trop forte là, qui est là depuis très longtemps et une mentalité aussi euh, dans certaines classes de la société très développementiste, on dit. Et je me demande euh, s'il y a si une tendance, euh, par exemple, à la nationalisation de certains euh, stratégiques, justement comme l'énergie, euh, ça peut participer à une alternative, c'est-à-dire pour consolider un peu la souveraineté euh, nationale, là, même si je n'aime pas ce mot, la souveraineté des gens locaux, euh, ou encore si ça participe davantage. Euh, à la normatisation, disons, à l'intégration sociale, du modèle capitaliste, dans le sens de l'intégration du modèle entrepreneurial euh, dans la société par la, la normativité que cela implique. Je me demande aussi, en fait, euh, si. Parce que si ce n'est pas une question de temps, en fait, on parle beaucoup d'écologie, des, des c'est très nouveau qu'on en parle. Euh, moi, j'ai entendu pas dans les régions Mapuche, et puis on en parle depuis très, très, très longtemps, et puis la répression, c'est super vieux aussi. J'ai comme l'impression qu'on en parle plus aussi, et il y a une technologie de l'information, des communications qui peuvent favoriser ça. Fait je me demande si, euh, sur le long terme, au niveau macro, est-ce que si nationalisation de ces secteurs-là stratégiques pourrait être une stratégie envisageable? Évidemment, moi, je ne crois pas à l'État, personnellement, à aucun. Euh, mais je me dis, est-ce que si quand on a plus de pouvoir, euh, de dialogue en fait avec euh, les tenants de, de, du pouvoir au sein d'une certaine élite, quand ils sont proches, est-ce qu'on a plus de capacité d'action ou est-ce que euh, sinon on, on, on laisse plus de place parce qu'en fait euh, au HCC, on parle énormément de des responsabilités sociales de l'entreprise. Et quand on parle de ça, on parle justement de la théorie des dépendances et comment aller euh, fournir ce genre de, de programmes sociaux aux populations euh, dans, dans nos régions du Sud. Et donc, je me demande si euh, les États ne sont pas en moyen d'amener de, des programmes et que les, les corporations, elles vont venir amener ces programmes-là et que dans la mentalité des gens, on veut quand même accéder à un certain niveau de vie. Est-ce que la nationalisation ne peut pas comme... Freiner un peu, dans le sens de mettre un peu, euh, ben, ralentir un peu la machine pour que, justement, donner moins de pouvoir aux corporations. Parce que la Cordillère des Andes, il y a quand même des, des statuts assez particuliers pour l'industrie minière. Là. Ils ont de, des territoires d'exploitation assez élargis. Donc, je me demande si ça peut être une stratégie ou si ce serait comme un piège. Merci. C'est large. Je pense c'est la dernière question. Bueno. Ok, euh, la tendance à, à la nationalisation, évidemment, c'est pas la même chose que ce soit euh, que la ressource naturelle, euh, les ressources naturelles, les biens naturels, soient dans les mains des corporations, que ce soit euh, dans les mains de l'État. même si les impacts <laughs> socio-environnementaux sont les mêmes, non ça, il faut le dire. Petrobras, c'est l'exemple. Le, le, les plus connus à ce niveau-là, c'est-à-dire que quand même les impacts ou les conséquences sur le territoire, sur les populations sont les mêmes. Mais effectivement, vous, vous trouvez que et les, les géographes critiques, vous savez, les Brésiliens qui ont beaucoup étudié sur, sur, sur ce thème, Milton Santos et d'autres, parlent des territorialités en dispute. C'est-à-dire, ils essayent d'analyser ça, en montrant surtout les diverses, les différentes territorialités qui portent les acteurs. Et il est vrai que l'État peut porter une territorialité, une vision du territoire, nuancée, différente de ce qui porte les entreprises. Pour les entreprises, le territoire est conçu comme efficient. Et donc, il faut les vider. Même, les, on, on peut les vider et, si euh, et on doit valoriser par et, la présence des de ressources naturelles. On peut les vider des gens et, et on, on peut sacrifier même. Non et cette radicalisation d'une situation d'injustice environnementale, qui on peut voir souvent. Et pour les candidats. Les contrôles, les contrôles de, 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 de la, rente, rente, on dit, la rente extractive, euh, on est dans une situation ambivalente. Parce que, quand même, on a cette idée qu'on contrôle, c'est l'État qui les contrôle, on peut redistribuer les, les, les bénéfices, et donc on peut comprendre justement les biens naturels en tant que ressources naturelles stratégiques. Mais aussi, il y a la conception du commodity. Non, c'est un, une matière première, sans valeur ajoutée, indifférenciée, qui a un prix dans les marchés. Donc, je vois cette oscillation, cette hésitation tout le temps entre ces ressources, l'idée des ressources naturelles. Par exemple, quand en Argentine, on a discuté sur la question de, de la nationalisation d'IPF, de, 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 c'est-à-dire l'entreprise qui exploite les, 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 les pétroles, les jacimientos pétrolifères fiscales, qui en fait c'est une fausse nationalisation, parce qu'ils ont pris les 51% et sous la figure d'une société privée, pas d'une société d'État. Donc ils ont autorisé à faire des accords, par exemple, avec des entreprises euh, et transnationales, et sans rendre public les accords. Donc c'est le secretisme qu'on appelle. non donc, ils ont fait des accords avec Chevron, ils ont fait des accords avec euh, euh, les Chinois, et sans et faire la discussion publique et, en tant que nationalité, que, que, euh, entreprise nationalisée. Si je euh, prends cet exemple, c'est pour dire que quand même, même les entreprises d'État, maintenant, ne sont pas les mêmes choses qu'il y a 30 ans, ou qu'il y a 50 ans. Par exemple, quand... Et vous pensez à 1920, 1930, quand les États latino-américains ont pris et, et contrôle de, de, surtout du pétrole, d'abord ça a été l'Argentine, le Brésil, après les, les, les Mexiques, hein ils, ils ont fait et, avec une, une, un discours nationaliste très fort qui donnait l'idée de, de l'État en tant que méga-acteur. Maintenant, ce n'est pas la même chose. L'association avec les corporations, les secrétismes, l'utilisation des mêmes instruments, instruments que les corporations, fait que quand même, il y a pas mal d'assimilation là-bas. Et peut-être, ça peut séduire à, à, pas mal, à, à une partie de la population l'idée qu'il y a les contrôles nationaux. Mais quand on voit ce qu'on appelle en, en espagnol la lettre fine, hein, des de, de contrats, on voit pas mal des de, de choses qui sont semblables à, à l'esprit et à la pratique des grandes corporations transnationales. Donc ça, ça met un peu de, 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 quand même de, de, de peur. Hein. Et je souligne surtout la question de, du secrétisme. Et en plus, pour les populations aussi, il ne faut pas dire que toutes les populations critiquent l'extractivisme. Il y a des populations qui ont un autre langage sur le territoire, qui, eh, eh, qui peuvent même, eh, à ce niveau-là, eh, choisir la compensation économique eh, en condition de faiblesse. Il faut le dire aussi. Quand les populations indiennes, par exemple, acceptent la compensation économique, parfois ce n'est pas ce qu'ils veulent, mais c'est seul, la seule possibilité qu'ils ont. Parce que quand les entreprises entrent sur le territoire, ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas de choix. J'ai des anecdotes terribles, surtout en Argentine, sur des expressions des, des entrepreneurs quand ils entraient sur le territoire en disant que eh, les Indiens devaient accepter et, et quand même on pouvait discuter les conditions. Mais que la question de l'acceptation n'était pas en jeu. Mais au-delà de ça, il faut dire que justement, dans les pays où il y a une tradition extractiviste, il y a certains territoires où on accepte, et disons, et, on accepte et, en tant que modèle de développement, le Pérou, c'est les, les cas typiques, mais aussi la Bolivie. Dans certains territoires, on pense qu'à travers les contrôles des territoires, par exemple les, 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 les Boliviens, on pouvait avoir l'accès au développement. C'est un peu paradoxal en plus, parce que, par exemple, le cas de la Bolivie... Et ils pensaient cela, surtout des organisations comme la CIDOB et CONAMAC, des organisations indiennes très fortes, que jusqu'à l'année 2010, ils pensaient qu'ils allaient avoir, par la voie des autonomies, reconnues par l'État plurinational, qu'ils allaient avoir les contrôles du territoire, c'est-à-dire les contrôles des ressources naturelles. Après 2010, qu'on a vu clairement les limites, ils ont commencé à lutter pour les droits de la consultation. C'est-à-dire qu'on a passé vraiment d'une situation offensive, on va contrôler les territoires, à une situation défensive. On va quand même voir si on peut dire si, oui ou non. Figure-toi. Donc dans les pays où l'effet de démocratisation a été le plus élargi, c'est-à-dire la Bolivie. On ne peut pas comparer ça avec la situation des Indiens en Argentine ou au Chili, où ils sont incarcérés par des décennies d'années. Donc, euh, il n'y a pas seulement la violence des, des, des mouvements qui, 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 qui soutient cet imaginaire du, 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 du développement, il y a aussi, il faut analyser cas par cas, les dynamiques du territoire. Hein, les dynamiques du territoire qui, parfois, montrent, justement, la juxtaposition des logiques de territorialité et opposées, même. Et merci beaucoup, Maristella. Je pense qu'on pourrait poursuivre, mais sans doute tout le monde est fatigué. Je voudrais remercier chacun de vous, chacune de vous, de d'être venu, de participer, de de partager vos réflexions et vos questions, vos commentaires. Merci beaucoup à Pierre Bocage pour pour sa, son commentaire critique aussi. Et, de, de la présentation de Maristella. Évidemment, merci infiniment Maristella pour euh, cette participation, de cette présentation très riche qui nous, qui nous, nous invite à poursuivre la, la pénétration de tous ces moments actuels, de ces concepts, de ces discours actuels qui nous provoquent aussi, et qui nous confrontent en fait à ces, à ces phénomènes qui sont par beaucoup pris comme, ou abordés comme des fatalités. Euh, je pense que en fait, le, le, le combat intellectuel, social, le social les pratiques, se poursuit. Et puis, j'espère que nous aurons plusieurs autres occasions comme celle-ci pour pouvoir poursuivre justement euh, ces discussions sur ces, ces enjeux des grandes actualités, des, des grandes contemporanités, et, et puis aussi de poursuivre avec grand intérêt, et curiosité. Euh, Comment en fait, se, construisent ces, se construisent ces nouveaux imaginaires socio-écologiques, comme Henri Keleff les appelle, à partir de cette mouvance actuelle de, de mouvements sociaux qui se prennent, en fait, qui, qui, se, qui construisent une nouvelle territorialité, un nouveau rapport à la terre, à la vie, et comment, à partir de cela, en fait, émergent. On, on, le, on le souhaite très bien. De nouveaux projets politiques, en fait, de nouvelles façons de, de vivre ensemble dans des, dans des territoires partagés. Je voudrais remercier au nom de, de la chaire MEL sur les espaces publics et, et l'innovation politique, à, au Centre le Centre de recherche en éducation et formation à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, le, le CEDAL, le Comité pour les droits humains et l'Institut d'études internationales qui ont rendu possible cette conférence de ce soir. Et puis nous espérons poursuivre ce partenariat qui nous a permis dans les derniers temps d'offrir un en fait à la communautés universitaires et au milieu en général, en fait, la possibilité d'échanger, de, 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 de participer, de réfléchir avec des invités qui viennent d'ailleurs. La semaine dernière, plusieurs d'entre vous, vous ont participé aussi aux échanges avec les deux chercheurs qui euh, venaient du Chili et qui nous ont amenés à, à, à voyager sur le territoire Mapuche. Alors, merci beaucoup et bonne soirée. Et pour ceux qui s'intéressent à la question d'acceptabilité sociale, les Centraires, vous pouvez aller à la page web des Centraires et pour avoir les détails que je n'ai pas ici, mais demain, 3, en fait, le 3 juin, il y a une conférence sur l'acceptabilité sociale ici à l'ICAM. Alors voilà, allez voir les détails de la salle, l'heure est précise. C'est à 6 heures, si je ne me trompe pas, mais les locaux. Vous pouvez les voir sur le site web. Merci beaucoup et bonne soirée.